Et bien le bonjour tout le monde, et je sors d'avance, tiens, pour une fois. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. T'as bah pour une fois que je suis en avance. C'est rare ça, c'est rare. En avance mais crevé, encore une fois. Hop. Et coucou, mais comment ça va? Et comment ça va? On s'était pas vu hier, c'est bizarre. Pourquoi on s'est pas vu? Pourquoi? Il merdique. Tout simplement. Le chat. Comme d'hab, hein, maintenant ça va devenir une habitude hein, de pouvoir dormir à cause du chat. Et puis toujours des trucs à la con. Hein. Des rêves à la con. Hein. Bon. Aujourd'hui, mieux. Un peu mieux, on va dire. Même si j'ai pas assez dormi encore. Ouais. Endormi vers 2h du mat. Et réveillé vers 5-6h. Donc pas assez quoi. Vraiment pas assez. Il doit me manquer à peu près 5 heures de sommeil. Ouais. Ouais. Alors le thé est bientôt bon. Allez, j'ai oublié par contre de faire le thé juste avant. Donc aujourd'hui, direction bord de ciel. Oh voilà. Alors musique de The Witcher parce que bah je sais pas pourquoi. Pourquoi il me l'a foutu les musiques de The Witcher alors que c'était normalement seul de thé. Laissez tomber, ça sert à rien. Alors, est-ce que je vais trouver la bonne? Non, peut-être pas. Celle-là, voilà. Parfait. Hop là. Oui, oh, du calme. Du calme, je sais bien qu'il est fini, le thé. Hop. Le miel. Où est-ce qu'il est mis? Ah. Là. Il est là. Alors, du coup, hier, étant donné que je n'ai pas live, pas streamé, j'ai pu m'occuper tout en essayant de dormir. Quand le chat. Voilà. Je m'occupais pendant que le chat faisait le con, et dès qu'il s'arrêtait, je dormais. Mais du coup, j'ai pu en profiter pour avancer un peu. Là-dessus. Ouais. J'en ai fait quelques-uns qui sont mieux, je trouve. J'ai changé les couleurs un peu. Alors attends, c'est lesquels? Oh, merde, j'ai mélangé avec ceux que j'avais pas fait. Et en gros, j'ai donné une couleur un peu plus verte. Parce que du coup. Hop, je vais partager ça. C'est plus simple. Hop. Voilà. Et donc, est-ce que j'ai la lumière, s'il te plaît? Voilà. Donner une couleur un peu plus verte au tissu à l'arrière. En fait, j'ai revu encore le Seigneur des Anneaux, hein, pour être sûr de pas me gourer au niveau des couleurs. Et en fait, sur les tissus qu'il y a derrière là, c'est beaucoup plus vert. Donc j'ai décidé de faire des petits reflets verts, genre dégueulasse, des trucs comme ça. Et ça passe beaucoup mieux. Bon, ça c'est clairement pas la meilleure. Ça c'est de la merde. Ça. Ouais, ça passe encore, mais c'est pas ça. Putain, mais c'est laquelle que j'avais vue qui était parfaite. J'en ai une. Je sais pas pourquoi. Voilà, allez, celle-là. J'ai super bien fait celle-là, mais alors le reste, que de la merde. Hop, alors attends, je vais me mettre bien au centre. Voilà. Et ça rend beaucoup mieux en plus clair comme ça. Plutôt que du marron. C'est le marron faisait ressortir en fait la peau. Enfin, re faisait ressortir. Non, justement, ça faisait pas ressortir la peau. Et ça faisait moche. Alors que là, ça a beaucoup mieux. Donc, pour les prochains, nous ferons une espèce de couche verdâtre dégrasse. Pour faire un effet de sale en fait. Viens à toi. Hop. Hop. On fera ça ce week-end, donc samedi. Il y a le monsieur là, le gros monsieur là avec les ailes. On fera aussi samedi. J'ai pu voir comment j'allais faire. Maintenant, faut que je répare l'aile. J'ai pas encore pensé à le faire. J'ai complètement oublié. Donc, on réparera ça. Enfin, je réparerai ça peut-être en fin de stream. On verra ça. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, direction au bord de ciel, comme je l'ai dit. Pour notre chère aventure, les donjons.
Sachant que je ne sais plus exactement les quêtes qu'on avait à faire. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Je sais même plus quelle scène était laquelle. On est bon. Pourquoi c'est? Me dis pas que ça a supprimé les trucs. Non. Parce qu'en gros, j'avais fait une partie en off avec... Comment ça s'appelle? Nix et A.E. On s'est fait en une coop en fait sur Skyrim. Ça s'est vite fini parce que c'était de la merde. Bonjour. Dis bonjour. La semaine a été bonne, mon garçon. Des clients bruyants sont des clients contents et des clients contents. Dis ça. La caisse. Tu sais, petit, je devrais prendre ma retraite et te laisser la gérance du Ragnar. Vous passeriez votre temps à me donner des ordres et à me hurler de servir d'autres clients. Vous êtes pratiquement déjà à la retraite. Ne dis pas d'idiotie. Gérer un bar n'est pas. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Ah, mon frère. Pas question que je prenne ma retraite. Jamais. D'accord. Alors, savoir que la voix... Si vous voulez des ragots, je peux vous en raconter un ou deux. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est le comédien de doublage de Bear Grylls dans certains épisodes de... De guerre civile, de dragon. Rien de tout cela ne franchit ma porte. Détendez-vous. Ouais, voilà. C'est pas si mal d'être vieux. Ah oui, toi, tu veux pas, toi. Ok. Entendu. Alors, nous devions faire quoi? On va voir ça. Tu peux dormir, petit chat, s'il te plaît? Ah oui, est-ce que le son... Oui, normalement, le son est bon. Bonjour. Quête. Alors, garde de l'aube. Attendez-vous au gars... Chef de la garde de l'aube. J'ai entendu parler d'un groupe de chasseurs de vampires. Ah oui, non, ça, c'est un autre truc, ça, encore. Enfant de dragon. Allez à Solstheim. Non, ça, c'est encore ça. Bah, on sulcule. Là. Ah oui, non, ça c'est les gardes de l'aube, du coup c'est pour les vampires, donc ça c'est pas rien à voir. Enfant de dragon, ça on se fait pas tout de suite. L'homme qui criait au loup. C'est pas le truc qu'on avait essayé de rentrer et puis on s'est fait, s'était fait éclater. Je crois. Hein. Légende interdite. Ouais. Parjure, rejoignez l'hôtel de Talos. J'ai reçu un mot d'un certain Eltris Amarkars. Il souhaite que je le rejoigne à l'hôtel de Talos, vraisemblablement pour parler du meurtre qui a eu lieu récemment du marché de Markars. Oh! Alors, là, c'est un peu con parce que j'ai déjà fait cette quête et c'est la merde. À un point. Donc, je ne la ferai pas pour l'instant. Je sais ce qui se passe dans cette quête et clairement, je ne veux pas le faire tout de suite. Si c'est bien cette quête, hein, évidemment. La corde de Jürgen par le vent. On l'avait pas fait? On l'avait pas fait, d'accord. Trouver le propriétaire de la griffe d'or, bah d'accord. Et ça. Ok. D'accord. Entendu. Je sais même plus comment on avait... Je sais même plus qu'on avait ça. Ustengrave. On peut pas avoir plusieurs quêtes en même temps. D'accord, bon, on va aller à Ustengrave et puis on va aller voir ce que c'est. Je sais même plus quelle quête c'est. Hein. Okay. Et voyons voir. Est-ce qu'on éteint cette lumière? Non. Voilà. Cette direction. Et coucou par ici. Comment vas-tu, Guillot? Hello there. Hello there. Comment vas-tu? Est-ce que je suis seul à trouver que ça lag ou est-ce que c'est bien? Bien et toi? Bon, ça va. Un peu fatigué. Mieux que les autres jours. Mais un peu fatigué. Alors oui, c'est vrai. Ça. Ustengrave. Pas d'ennemis, hein. Jamais
Oh si, il y a des ennemis. J'ai raté. Oh, c'est des nécromanciens en plus. Enfin, il y a un nécromancien. Oh, c'est une simple épée, hein, vu que j'ai pas de pierre d'âme. Oh, je les ai éclatés. Je les ai éclatés, calmez-vous. Enfin. Ça ne se fait pas. Crochet, or, bien sûr. Je me demande bien à cause de qui et de quoi tu es fatigué, donc... Oh bah oui, moi aussi. Je me le demande bien. Oh, côtelette. Une côtelette. Et un crochet. Côtelette et un crochet. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient ici? Sac de couchage, c'est tout ce qu'ils avaient. D'accord. Bien. Ah, ils ont éclaté ce bandit-là, ou c'est moi qui l'ai éclaté, je sais même plus. De l'hydromel. De l'hydromel. De l'or. Ah oui, bien. Alors, Houston Grave, je sais pas. Comment va ton chaton? Bah, il va très bien. Elle va très bien, elle fait le bordel depuis ce matin, elle fout de la litière partout, elle fait tomber des tasses, des théières. Voilà. Et ça, j'étais ouvert aussi, ça, enfin, c'est... Ouais, c'est une journée normale, quoi. Une journée normale. Putain, ils se sont fait éclater par quoi? C'est le nécromancien qui... Ah! Oui! Bien! Enfin, non, du coup. Oh putain. Bon, ça va, ils sont nuls. Enfin, ils sont nuls. C'est les rats. Ouais, c'est les rats. Meurs, s'il te plaît. Mais putain, il va mourir! Mais bordel! Mais bordel! Je suis pas prêt pour combattre ça, moi! Attends, voilà! Y'a rien d'intéressant! Au secours! Alors. Potion de soin. Ah ouais, c'est des grosses potions de soin, ouais! D'accord. Alors, le jour où elle fera pas de bêtises, elle sera malade. Je pense, ouais. Je pense. Ou elle sera calme ou elle me fera pas chier. Ouais, je pense que qu'elle sera malade. Jouant. Ah oui, peut-être manger un truc de magie. Potion. Soin. Magie légère. Parfait. Ah, mais c'est rare, d'accord. C'est une invocation. D'accord. C'était une invocation. Hop, hop. Alors toi, livre sort de soins. Bien ça. Bien ça. Et puis en acier, non. Trop de choses. Arme. Bâton de flamme. Putain, regardez ça. Hache, on dégage. Non. Stock, on s'en fout de ça. Ça, on s'en fout. Épée d'acier, on s'en fout, on s'en fout. Bon, une suffit. Épée nordique antique. Mais attends, c'est laquelle? Ah, c'est celle-là, donc celle-là, on dégage. Ok. Tenue, qu'est-ce qu'on a en trop? Il est en sorcellerie, regardez. Ça, on ira le vendre. Et amulette de Goldor, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'y a-t-il? Alors... Alors, c'est par là. Suivons le chemin. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à venir ici? Qu'est-ce que c'était que ça? Jean. Oh bordel! Oh bordel! J'aurais dû le laisser se démerder en fait. Au secours. Par où je dois aller? Par là. Au secours! En fait, au secours. Forcené en plus. Je vais me faire éclater. Si je meurs, ça fera du coup 4 morts encore. Et ensuite, c'est la fin. Non!
Au secours. Au secours. Non, 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 non. Dégage de là, toi. Oh, tu meurs en premier, toi. Faut que tu meurs en premier, toi. Potion. Soins légers. Nourriture. Et j'ai pas de truc en plus. Ça va être la merde. Potion. Poison paralysant. C'est la merde. C'est de la merde. C'est de la merde ce que j'ai fait. Au secours. Je veux pas mourir. On va tuer deux ici. Est-ce qu'on rush le donjon ou... Putain mais tu vas mourir ouais. Oh putain. Oh putain. Potion de vigueur, oh oui. Non, j'ai qu'une main. Meurs. Oui. Oh putain, quelle galère. Quelle galère. La meute de Talos, bien ça. Hop. Et lui. Ah, Baptiste. Bien. Ok, bah putain, mais quelle galère c'était. Alors. Je connais ce donjon. Je sais que c'est la merde, ce donjon. Ouais. Bon, bah, pas le choix, hein, de faire ce donjon, de toute façon. Potion de crochetage. Potion de santé. Putain, on fouille tout. Vigueur. Soin. Alors du coup, ici. Il y a-t-il autre chose ? C'est gigantesque ? Je me rappelle pas de tout ça. Hein. Ah, ça c'est une sortie, ça. Ça c'est une sortie. Plaît-il ? Bonjour ! Comment allez-vous ? Non, 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 non. Laissez-moi vous parler. Hop. Oh. X. Jean. Oh, tu fais de la magie, toi. Ah, bonjour aussi à vous, monsieur. Eh bien, utilise ton pouvoir ! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Déferlement. Pourquoi je peux pas? Vous pouvez pas changer de cri en cri. En cri. Quoi? Mais tu m'emmerdes! Ok, 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 ok. Tout va bien. Tout. Hante. Soin. Mais tu vas crever! Putain. On a vu le bout de ça, j'ai dépassé et cramé, ouais. Mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, merde! Bon. C'est bon, il n'y a plus personne qui se réveille. Ça va, vous êtes tous debout, ça y est. Tous ceux qui se devaient se lever, c'est bon. Bon. Voilà, un petit coup d'hydromel. Hein. Un petit coup d'hydromel. Hop là. Et on est reparti. Bien ça. Oh ! Ça a l'air bien ça.
Flèche d'orque, ouais. Non. Le casque a l'air pas mal, hein. Le casque a l'air pas mal, hein. On va se le prendre. Ça, hop, on stock. Super, ça. Super. Ouais, finalement, je reconnais pas ce donjon, hein, du tout. Je me souviens plus du tout de celui-là. Peut-être la fin. On avance, 30 d'or. Ça va, on s'est... On s'est plaise avec l'or. Oh si, je m'en souviens. Si, si, je m'en souviens. Alors. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... De tricher, de descendre directement par là? Genre... je vais mourir, je vais mourir. Je suis sûr que je vais mourir par là. Non, 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 non. Remonte. Remonte. Oh, si, je suis sûr que par là, on peut... Hey. Je suis ici. Ah, mais je connais ça. Ok, ça, ça. Chez. C'est ce bordel. Pourquoi j'entendais... Oh non, ils sont là-haut. Oh non, ils sont là-haut. Et coucou, Kim. Comment tu vas? Hop là. Ça va, vous? Comment tu vas? Hop, hop. Nickel. Et alors là, il faut, je crois... Le cri... c'est impulsion, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais sérieusement... Tu ne peux pas me dire faire ça. Tu peux pas me dire que je peux pas faire ça. Hein? Non, mais sérieusement? Mais quoi? Ah. Si, putain, j'ai cru que j'étais coincé. J'ai eu peur. Ok, alors c'est reparti. Cours, 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 cours. Eh ben, on va attendre qu'on ait de la vigueur. On va attendre ça. Ça y est. Cours, 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 cours. Mais putain, mais c'est pas possible! Ouh, ce truc va me péter les couilles. Il va clairement me péter les couilles, ce truc-là. Le sel. Le sel. Alors, est-ce que j'ai pas un truc pour bouffer, là? Pour boire, peut-être? Oh bah oui, heureusement que j'ai pris tout le vin. Oh là là! Oh là là, vas-y quoi. C'est bon, à un moment, faut pas abuser. Ça, je m'en souviens de ça. Ça, je m'en souviens de ça. Ça, ça sent le feu. Allez, ça sent l'araignée aussi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était le cri, Fousroda. Au secours! Au secours! Allez, venez vous. Venez. Pourquoi je suis accroupi, moi? Allez, hop! Alors là, par contre, ça va être un peu chaud, là. Ouais, côtelette, ouais. Attends, ça me rapporte que ça comme bouffe? Putain. Ok, alors... Flamme. Toi, tu vas mourir, toi. Elles sont grosses, hein. Elles sont grosses. Je crois que vous pouvez arrêter, en fait. Non? Voilà. Phew.
Et ben on va patienter 2 secondes. Une porte en bois. D'accord. Ça sent le piège à plein nez. D'accord. D'accord. Bah écoutez. Volontiers. Volontiers. Note mystérieuse. Oh putain, il y a pas la corne. Enfant de dragon, je dois vous parler, c'est très urgent. Louez la chambre voilà, de l'auberge du géant endormi, Rivebois. Ah, si. Je m'en souviens. Je m'en souviens, je me disais, mais pourquoi on n'a pas le truc? Un coup de la confrérie noire, ça. Mais est-ce que... Le trésor des pièces partout. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il y avait des pièces partout, ils pouvaient pas mettre dans une bourse. Sérieusement. Dans le coffre. C'est de la merde. Ça, c'est bien, ça. Ah oui. Ah oui. Tout à fait, tout à fait. On prend tout ça. Tout ça. Comment ça va? Bah, ça va. Fatigué encore, mais ça va. Ah non. Non, on garde le casque et on va prendre l'armure en acier. Eh oui. Eh oui, à quoi on ressemble, tiens, d'ailleurs? Ah, bah, on ressemble bien plus à... Est-ce que tu peux ranger? On ressemble bien plus à un enfant de dragon, là. Bah oui. N'est-ce pas? C'est bien mieux, là. Entendu. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose, là, dans une porte, ou... Non? Bon. Très bien. Et par contre, elle pouvait pas s'occuper de... des araignées, la personne qui m'a volé la corne. Non? Arf, la mimine t'a mis de la vie dure encore? Oh, ouais. Ouais. Je prends d'habitude, elle va commencer à se calmer, elle va grandir, elle va commencer à se calmer, j'espère. J'espère. N'est-ce pas? Ce qui est bien, c'est qu'elle a commencé à prendre un rythme. La nuit, jusqu'à 2h du mat, elle fout le bordel. Ensuite, elle dort jusqu'à à peu près 10h. 6h si elle a décidé de m'emmerder, voilà. Donc il y a des jours où je fais jusqu'à 10h, où je dors jusqu'à 10h, et ça c'est bien. Il y a des jours où je fais jusqu'à 6h. C'est moins bien. Et ensuite, elle fout le bordel toute la matinée, et début d'après-midi, genre vers 13h. Tranquillement, elle dort. Et là, c'est bien. Oh, un coffre. Pas vu ça. Vigueur. C'est Albor, je crois. Je sais plus comment il s'appelle le vendeur. Je crois que c'est Albor. Ou non, Denethor. Je suis con. Pas de ce sens. Ils sont toujours en train de brûler hein, là-bas. Ils sont toujours en train de brûler. Hop, et c'est un. Voilà. Ah oui. Je suis perdu. Voilà. Bien, bon, on va aller à Rivebois. Donc ça, c'était la quête principale. Donc aller à Rivebois, du coup, on va pas le faire tout de suite, on va faire les autres. Ah, puis c'est la nuit. Oh là là, le ciel. Que c'est beau. On a un beau panorama ici. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, tout à fait. Alors, corne, on s'en fout. Trouver la rouge garde, ouais. C'est ce qu'on va faire. Hop, hop. Blanche rive, c'est là. Si je me trompe pas. Attends, hop. Oui, on va aller à Blanche rive de toute façon. On va devoir vendre, faire de la place. Le fond de l'air est frais. Mes récoltes n'aiment pas le froid. Ça non. D'accord. Écoute. Et salut! Et encore juste à dire, oh non, mais putain, mais je suis trop nul, putain, je suis vraiment trop con. Merci beaucoup, Loud. Merci beaucoup, mais putain, mais pourquoi j'ai mis en discussion, quoi. J'avais mis Skyrim, en plus, hein.
juste avant de lancer le live, j'ai mis Skyrim, donc ça va pas sélectionner le truc. Putain, merci beaucoup. Ah oui, mais du coup, ça fait chier parce que du coup, je suis pas dans la bonne catégorie. Et je bloque, enfin, même ceux qui sont en. Ouais. La merde. Propriétaire de la griffe d'or. Blancherive, un groupe de noms qui. Ouais, alors ça, du coup, je sais où est-ce qu'elle est. Si je me trompe pas. Si c'est bien celle que je pense. Jean? Est-ce qu'elle est là, tiens? La jument pavoisée, oui. Nous avons des plages chaudes, des boissons chaudes et des lits douillets. Tiens, une rouge garde. Je revois. Puis-je... C'est vrai? Oh Oui. non! Ils m'ont trouvé? J'ai Ouais. besoin de votre aide. Non. Je vous en prie, venez avec moi. J'aimerais vous parler en privé. Bien sûr, mais je vous suis. La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse même. Moi je dis oui, sur celui-là oui. Si le ciel fait du rap, c'est du Skyrim. J'aurais dit de la poésie. Si le ciel fait de la poésie, c'est le Skyrim. Oh mais vas-y, il fallait Veuillez continuer. une ode aux loyaux défenseurs de bord de ciel, Ah oui, les ah oui. impériaux. Ça je veux ça. Nous fils de bord de ciel, combattons sans répit, jusqu'à ce que C'est plus le son Eric, ouais. même garde nous accueille en sa nuit. Nous chasserons les sombrages, nos terres reprendront par le sang et l'acier, chez nous nous reviendrons. Les gardes de cette ville sont tous Ta morts, gueule! tueurs de rois. Il faut que Le ça jour change. de ton trépas, nous Ferme ta gueule, toi. parlerons dans la joie. Le commandant Caius se Nous pavane comme Magie! autant à ceux qui Magie! devraient faire son travail les yeux Le fermés. temps des dictateurs est bientôt révolu. C'est con que les paroles en dessous soient pas encore. La concorde pas. Il n'y a même pas de distorsion, c'est nul. Bah ouais. Oui. Poup! A pu. Oh, j'adore celle-là. Je crois qu'il n'y a pas de parole en plus, celle-là. Elle a combien de cordes, son truc? Alors, si je me trompe pas, elle en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un luth. Ouais, c'est ça, 8. C'est un luth, donc il en a 8. Faire beaucoup plus de notes. Et repartez avec sa flûte. Bon. Elle est où? Elle est là. Alors, vous travaillez pour eux. Vous Ouais. croyez pouvoir poser la main sur moi? Ah bah, Je ne sais je... pas. Non. Vous y perdrez quelques doigts. Non mais c'est pas Je mon but, en fait. plaisante pas. Je vais vous tailler en pièces. Oui, bah ça, je crois pas, Les ça. Alikir savent donc où me trouver? Que vous ont-ils offert? De l'or? Combien? Mon jeu demande de vous retrouver. Je vous en prie, j'ai besoin d'aide et je ne peux faire confiance à personne dans cette ville. Ouais. Peut-être s'il y a de l'argent à la Vous clé. aurez de l'or, je peux vous l'assurer. Les habitants de Blancherive se trompent sur moi. Mon vrai nom est Iman. Je suis issu de la noble famille Je m'en Sud. fous. Les hommes qui sont à ma recherche, les Alikir, sont des assassins à la solde du domaine Aldmeri. Je suis pour ce Ils domaine-là, de semblent toute façon. leur rapporter beaucoup d'or. Vous devez les retrouver et les chasser d'ici avant qu'ils ne me traînent de force à l'enclume pour que j'y sois exécuté. Bah, de toute façon, j'ai prévu de. Enfin, voilà. Ce sont des mercenaires. Ils font ça uniquement pour l'argent. Moi aussi. Leur chef est un certain Kematu. Je m'en Je n'ose fous. pas me montrer. Ils me Non, mais je. reconnaîtraient tout de suite. Ça va être dur Vous à allez jouer. devoir Oh, je découvrir où pense ils pas, se hein, en vrai. trouvent. Une grosse surprise arrive. Surprise, quoi. J'ai peur. En général, les surprises, c'est une mauvaise surprise. Hein, donc, enfin, quand ça tombe sur moi. Genre, hé, surprise! Et puis ça tombe à l'eau. Ou alors un truc du genre. Donc, j'ai un peu peur. Vous avez des suggestions qui pourraient m'aider à les retrouver? On m'a dit que l'un d'eux avait été arrêté alors qu'il essayait de se faufiler en ville. S'ils l'ont jeté en prison, vous pourrez peut-être le faire parler. D'accord. Je vous en prie. Je sais que ce que je vous demande est difficile, voire dangereux. Qu'est-ce Mais que je c'est suis que sûr de vous ça? faire Mais confiance. bien sûr, mais bienvenue. Bienvenue, pourquoi l'alerte s'est pas lancée? Venez me trouver dès que les habitants Ah, ont été. d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce bord? Mais pourquoi il n'y a pas de jeu? Bah merci beaucoup, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien.
Surprise, bah oui, bah merci beaucoup. Bah voilà, du coup, c'est une bonne surprise. Comment allez-vous? Bienvenue tout le monde. Ah, Ragnar le Rouge, tiens. C'était un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Il serait encore si entré par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar. Tu parles trop menteur et tu bois dans nos verres, je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Ouais, le taire. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. D'accord. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Yes! Et un Skyrim en plus d'avis, bien sûr. Toujours Skyrim, oui. C'est le sang, ça, Skyrim. Bon, allez, on va aller... Ah, c'est Bélétor? Lénor? Bélétor, putain. Non? Non? 6h, ah oui, un peu tôt, oui. On va attendre ça. Bah merci beaucoup pour les follow, merci et bienvenue tout le monde du coup. J'avais dit, je vous présente Oshodix les amis. Bah Oshodix c'est moi, oui bien sûr, Oshodix. C'est pas de l'eau chaude quoi. N'est-ce pas? Et puis merci pour les follow encore. Alors Bélétor. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Bah, bien sûr. Tout est à vendre. Bien. Alors, j'ai des choses à te vendre. Déjà, le bâton de flamme. Ensuite, les flèches de fer, on va les garder. Orc, on va te les vendre. Mais raconte l'anecdote, grosse nouille. Quelle anecdote? Ah, tu veux dire avec Oshodix? Mais bien sûr. Oh, bah, le Vapachek, je garde par contre. C'est très simple, hein. C'est une soirée où on parlait de thé, un truc genre, puis d'un coup il y en a un, Ayanjin, mon frère, qui dit non mais de toute façon c'est de l'eau chaude, alors que voilà, non c'est pas de l'eau chaude, hein. Thé c'est beaucoup plus compliqué, puis du coup bon, moi je partais à ce moment là, je pars, je reste un peu sur le live de Kim, et puis j'entends, oui bon, de toute façon ouais, avec son eau chaude là c'est bon, puis du coup je reviens sur le Discord, j'ai dit comment ça de l'eau chaude, et puis tout le monde, personne s'attendait à ça, et puis voilà. Oshodix, et du coup, bah, ils ont décidé de m'acheter, parce que je l'ai fait plusieurs fois, c'est genre, bon allez, je m'en vais, hein. Mais c'est pas de l'eau chaude, hein. Puis à chaque fois, ils refaisaient encore, c'est de l'eau chaude. Mais, je suis perdu. C'est la fatigue, qu'est-ce que je disais? Oui, l'eau chaude, bah oui. Puis je suis revenu plusieurs fois, puis au bout d'un moment, ils ont dit, non mais attendez, on va l'appeler Oshodix. Et on va faire une, comment ça s'appelle? C'est quoi, c'est une, un appel, en fait. Tout ça pour du thé? Oui. De l'eau chaude. Ou alors là, ça va manger par un ban. Attention, Léanor, tu vas te manger un ban. Attention. Hein. Tu vas te manger un ban. Et du coup, je ne sais plus ce qu'il m'avait fait comme chanson pour que j'apparaisse, en fait. Je sais plus les paroles. Mais en gros, ils avaient fait complètement une chanson pour faire pop. Et à chaque fois qu'ils faisaient le truc, à chaque fois, j'arrivais. Ce qui était un peu fou. Écoutez, il a plein d'argent, on va tout vendre. Ah! Oui, allez, c'est cadeau, mais attends. C'est cadeau. Mais putain, les gens feraient mieux de s'occuper de leur vie. Revenez donc. Ils font ce qu'ils veulent, après tout. S'ils disent que c'est de l'eau chaude, bah écoutez, ils vont manger. Ils vont manger, quoi. Disent d'ici. Patientons deux jours. Ah, l'invocation de Maître Oshodix. Tout à fait. J'aime bien cette histoire et je vais adopter Oshodix. Ah non. Non, je rigole pas avec le thé. Non, ça c'est. Il faut que je demande à Nyx ou à Engine. Ouais. Je crois que c'était Nyx qui avait la. Non, c'est Aïe. Il a les paroles. Vous savez, je suis un peu aigri, mais bon. Gna gna gna, c'est de l'eau chaude. Gna gna gna. Bref. Ouais, bref. Mais après tout, c'est pas faux. Il faut de l'eau chaude. Mais c'est pas que ça. Bon, j'enchaîne une autre réue. Je reste en lurk, je reviens. D'accord, à tout à l'heure.
Puis merci beaucoup pour le raid, quoi. Encore une bonne surprise, du coup, finalement. Une bonne surprise. Quoi, j'espère que vous serez bien, là. C'est trop une copie. Oui, tout à fait. Tout est à vendre, bah, très bien. On en était où? On était à divers. L'argile, ça vaut rien. C'est pourquoi j'ai de l'argile, moi? Chitine, oui, ça dégage. Corindon, ça dégage. Crochet en carne, spirit, qui est en carne, ça dégage. Grenat parfait, ça dégage. Griffe de dragon en rubis, on va garder. Oui, alors l'assiette qu'il m'a donné pour le tuer une femme, c'est bon, quoi. Lingot d'Oréchalc, ça dégage. Pierre de lune raffinée. Ça, je vais garder ça, par contre. Ça, c'est bien utile. Et ça. Livre. Alors, tous les livres, par contre, je vais les garder. Bien pratique. Ok, on va garder tout ça. Nickel. Et merci pour les bits. Pourquoi ça met pas le... Pourquoi l'alerte est cassée? Pourquoi ça ne marche pas? Je vais voir ça tout de suite. Je l'ai fait qu'une fois, Skyrim, mais j'avais adoré. Ah, tu l'as fini? Si tu l'as fini... Pourquoi il y a... Je vais voir ça tout de suite. Pourquoi il n'y a pas de bêtes? Pourquoi il n'y a pas l'alerte bêtes? Il y a un problème, là. Alors, voyons voir. Est-ce que là, ça a marché? Bon, ça devrait marcher. Mais merci beaucoup pour les bits. Et bon courage, ouais, pour ta revue. Ouais. Moi aussi, je fais des alertes qui font pas. L'alerte qui marche pas. Mais j'en ai marre de ce truc-là. Hein. J'en ai marre. Non! Je t'ai vendu un truc que je voulais pas. Qu'est-ce que je t'ai vendu? Ah non, hein. Je t'ai vendu un truc que je voulais pas. Bon, attends, on va t'acheter des livres. Carte au trésor. Barenzia, ouais. Eh ben voilà. Alors. Loud, va falloir se calmer un peu. Moi, c'est les alertes de raid qui ne se font pas. Bah là, j'ai pas eu l'alerte de raid. Et je sais pas pourquoi. Faut que je vois ça. Et je vais plus continuer. Ah! Alors attendez. Je vais voir ça tout de suite. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas eu l'alerte de raid? Bon, j'ai dû regarder à ce moment-là, parce que je l'ai vu, mais pourquoi j'ai pas eu l'alerte? La question, est-ce que dans les options... raid... alors je sais pas dans quoi tu as justement tes alertes, mais il y a un nombre minimum en fait. Et du coup, bah là c'était à 20, alors que vous étiez 15. Voilà. Sur Streamlabs, non pas du tout. Non, là j'utilise Tipeee pour les alertes, beaucoup plus pratique. Même si c'est merdique parce que ça arrive une fois sur deux. Donc voilà. Alors la griffe d'or. Trouver le propriétaire de la griffe d'or. Oh, attendez. Alors. Non, tais-toi, je m'en fous. Tais-toi. Alors la griffe d'or, c'est qui? Je sais pas à qui est la griffe d'or. C'est ça. Hôtel d'Azura, d'accord. Je sais plus. Attendez, parce que j'ai un problème avec. Ah, j'en ai marre. Et bienvenue à toi, salut. T'as jamais essayé Stream Elements? Non. Je reste sur OBS, je suis très bien sur OBS. Mais c'est juste pour les alertes que je suis ailleurs, du coup. Parce que j'ai pas trouvé mieux, en fait. Hop. Le travail est dur, mais la vie est belle. Qu'est-ce que vous regardez? Vous me faites pas peur, vous savez. Même si je suis plus jeune que vous.
tu veux, toi? Tu veux que je te brûle? Ouais, c'est ça, cours, ouais. Cours, hein. Bon, mais oh. Non, c'est pour les alertes, c'est pas un logiciel de stream. Ah, bon non, je connais pas. Bah, je le testerai, du coup, j'irai voir ce que c'est. Parce que du coup, si ça fait le même taf et en mieux, en plus, bah écoute, je fonce. Ouais, je sais, ils m'ont parlé déjà. Bon, on va aller voir celui qui est dans la prison. S'il me demande de le faire échapper, ça risque pas. Ouais, oh, calmez-vous, hein. Attends, j'entends un dragon. J'ai entendu des ailes. Oh, ce plan. Oh, magnifique. Magnifique. Niveau supplémentaire disponible. Ah oui. C'est vrai. Alors, on va prendre la magie. Ouais. Et je veux destruction. Merci. Sorte de foudre, de froid, feu. Flamme dévorante. Et je crois que la prison c'est par là. Comment elle t'agresse? Bah ouais. C'est quoi ce bordel là? Donjon de Fort Dragon. Tout à fait, c'est là. Bonjour. Vous aimez l'art? Laissez-moi deviner. Moi je préfère l'épée. Quelqu'un vous a volé votre. Préfère l'épée? Bah c'est bien. Toi, je t'aime pas, toi. Alors. La racaille de Skyrim. Non, mais c'est ça, les enfants, hein, c'est. Ah, vous! Oui, vous! Venez! Attendez. Voilà, c'est ça. Vous dites au Aelkir où se trouve ton Sadia. Ah, mais non, du coup, non! M'en fous! Non, je vais aller pas, je vais leur dire. J'adore ma frangine. Kassasai. Non, j'allais leur dire en fait. Ah non, mais je m'en fous moi. Non, mais je m'en fous de ça en fait. Aux écuries. C'est là qu'ils sont, non? Je sais même plus. Non, ils sont pas là? Ah, ils sont à Rorikbourg. Hein. Je lui commente une publi snap, ma nièce. Elle me demande comment va ma vie. Vas-y, bordel. C'est qui, hein? Ah, mais ils sont là, d'accord. Bah, on va le revoir. Auberge du fruit joli. Bonjour. Avez-vous des nouvelles de notre proie? Oui. Vraiment? Où ça? Parlez. Je m'en puis avoiser. Pas l'arrêter nous-mêmes. Pas sans attirer l'attention. Vous devez nous l'amener. Tout à fait. Guidez-la jusqu'aux écuries de Blancherive, à l'extérieur de la ville. Nous vous y attendrons. Entendu. On ne peut pas nous échapper indéfiniment. Alors, voyons voir ça. Certain. Si vous comptez commercer à Rorikbourg, commencez par vous... Non, je m'en fous. Tais-toi. Hop là. Le fond de l'air est frais. Encore ? Je m'en fous ! Tais-toi ! Salut ! Non, non, mais juste que vous faites un super travail. Faites du super travail. Alors, voyons voir. C'est pas elle ? Oh, mais c'est elle, non ? Non, pas du tout. Mélanger. J'ai même pavoisé. Ah, il est plus là le barde. Dommage. Dommage, dommage. Vous êtes toujours là, vous? Super. Quoi? Comment? Je croyais qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans la ville. Il réussit à entrer, il faut qu'on sorte de là. Je ne peux pas fuir éternellement. Si, si, il est aux écuries. Après tout ce que j'ai traversé, je dois encore prendre la fuite. Oui. Si vous pensez que c'est vraiment le seul moyen, je vous crois. Ouais. Ne perdons pas de temps. Tout à fait. Mm-hmm. On peut prendre la bourse. Oh là là là. Hop, allez, on se barre. Viens vite.
Viens vite, viens vite. Oh. Il n'y a pas de champ, c'est dommage. Allez, viens. Dépiche-toi. Cours. Fort Dragon doit son nom. On saura pas ce que c'est. On saura pas d'où il tient son. Oui. Non, rien. Elle a vendu la ville au domaine Aldmeri. Sans cette trahison, Tanet aurait pu résister à cette guerre. Très bien, très bien. Viens là, je t'attends. Bon, ici Nombre et Armes. À quand un prochain aparté ou live cuisine? Alors live cuisine, ça risque d'être compliqué en ce moment. Aparté, il faudrait que je trouve des sujets intéressants. Mais en vrai, pourquoi pas. Bah non, spectateur. Oui. Oui, effectivement. Nous allons ramener notre amie à l'enclume, où elle paiera le prix de sa trahison. Ouais. Il sera fait aucun mal. Pff, j'en fous. De retour, mais lorsque nous arriverons là-bas, son sort ne dépendra plus de moi. Entendu. Quant à vous, je vous dois une partie de la récompense, pas vrai? Tout à fait. Tenez, voici pour vous. Dépensez cet or avec discernement, et si je puis me permettre, vous laissez jamais abuser par un joli minois. Ça risque pas. Il va aller mieux que cela. Ils sont très créatifs, il doit avoir plein d'idées. Oh oui, oui, c'est une très bonne récompense, ça. Dites-moi, c'est une très bonne récompense. D'ailleurs, lundi, j'ai fait une tarte qui était délicieuse. Je la referai. Super. Chez. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme quête d'hiver? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment ça on a tout ça? Escorter Talrav à son camp. Tiens. Vous allez voir Klimek. Je sais pas qui c'est. Venez en aide aux gens de Yalmarch. On le fera après. Intégrer la Légion Impériale. Sculpteur du visage à la cruche percée. Brignolf. On va voir ça. C'est dans quel chan? On vient de papiter avec toi. Hop, hop, je suis dans aucun chan. Pas de chan. Hop là, hop là. Par contre, pourquoi il n'y a pas de musique? Ah mais si, de la musique, je peux. Parce que... ça, c'est quoi les quêtes que j'ai là-bas? C'est quoi les quêtes que j'ai là-bas? Retrouver un Klimek. Il y a des ennemis à proximité. Des ennemis à proximité, mais ils ont fumé quoi là? Bon. Quoi? Mais c'est pas possible ça! Ouh, comment ça m'énerve ça? Comment ça m'énerve ça? On va rentrer chez. On va rentrer dans Blancherive. M'énerve ça, bordel. Allez dans le chan, elle. Numéro 5. J'ai pas compris. Ah putain, si. Ouh, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour venir. Wouah. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, le numéro 5. Ouais. Ouais. Pas mal, pas mal. Ouais, mon cerveau a pris la fâcheuse tendance à décomposer tous les mots. Non, mais c'est pas... pas mauvais. Pas une mauvaise chose. Après, faut savoir jauger un peu.
Allez, on retourne à Blanchet quand ça sera tranquille. Alors par contre, ouais. C'est le dragon. Je savais qu'il y avait un dragon. Je le sentais, je l'entendais. Il y avait un dragon dans le coin. C'est ça mon problème, jauger. Ouais. Ça, ça prend. Toi, tu dors comme ça, toi. Le chat qui est comme ça. Elle dort comme ça. Le temps de compréhension de rien de ton cerveau. Ah bah là, il a fallu un peu de temps, oui. Il a fallu un peu plus de temps. Ah oui, Climec, bah oui. Putain, mais je suis con. Celui qui m'avait donné du coup les provisions que je devais poser en haut. En haut du Rodgars, hein. Du genre. Là, c'est pour lui dire, hey, c'est bon, j'ai fait le taf. Tout s'est bien passé. Jour. Ah, content de vous revoir. Comment s'est passée cette livraison? Très bien, ça a été compliqué, mais c'est très bien passé. Non, je m'en fous. Attention où vous posez les pieds. Je me suis Bip. Néanmoins, il n'en ferait rien. Je me suis rendu au monastère de nombreuses fois. Mais c'est pas possible, c'est bugué. Il n'en ferait rien. On les dit. Bonsoir, aventurier. Bonjour, Dinu. Bonjour, Dinu. Sacrée ascension, pas vrai? En tout cas, j'apprécie sincèrement. Tenez, prenez ceci pour votre père. Ah oui, encore une récompense. Ah, il est encore plus généreux. Ah ouais, bah full hydromel. Full hydromel. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à côté? On a escorté Telra à son camp. Non, bah on va aller là. La rage, mais oui. Tu veux goûter à mon pain? Quelle est cette proposition étrange, Nu? Ton pain. C'est-à-dire... T'as fait du pain? Comment ça? Comment ça, ton pain? J'ai peur. Le retour. Comment ça, il recommence? Mais comment ça? Non, c'est une joke sur mon lavier. D'accord. Il veut pas sauter. Perso qui veut pas sauter. Bordel. Alors. Et toi? Ah, t'es le rave, d'accord, il est là. Le pain et les knackis. Il vécure pain et fire beaucoup de knackis. Ah, c'était des brigands. Bon, bah très bien. Je me rappelle plus de lui, bah écoutez, je me rappellerai pas de lui. Ah, bonjour. Non, tout va bien, non, ça sert à rien de taper, non mais... Inutile de s'énerver. Voyez bien. T'es pas prêt. Non mais je suis mort de pain. Votre faim ou votre pain? Non? Alors, soit je suis très fatigué, et je comprends pas les blagues, soit c'est des blagues qui sont pas drôles en fait. C'est genre vraiment... Oh, un coffre! Ok, de la merde. Bonjour? Vous êtes où? Vous êtes là-haut? J'arrive. Mais viens Vogue, bordel. Ah bah attends. C'est à cause de Jean-Pierre Papin. Oh, un pain. Vous êtes en train de brûler, monsieur. Pourquoi gaspiller son énergie? Bah oui, c'est ça. Hein. Il va mourir de toute façon. De l'or. La bourse. J'arrive. Ruche vide. Sac de farine, ouais. Bon, allez, hop. J'arrive. Que se passe-t-il? Mais elle est où? Surtout, pourquoi gaspiller votre baguette? Alors, encore une vanne
avec du pain, ça part en thé où ? Pendant 10 minutes. Donc Dinu, attention. Elle est où ? Elle est là. Oh, très bien. Je suis dans le VOC. Tu veux, je te bouge. Tu me dis quand tu es prête pour bouger. Oh, de la, à la brioche ? Non, mais tout ce qui est pâtisserie, tout ça, ça va partir en Théo avec des vannes. Et coucou Nyx ! Comment il va, le Nyx ? Alors. C'est plutôt l'inverse, c'est. Ha ! Vous, voilà ! C'est quoi ? Bonjour ! Il y a Kim qui me rejoint, je la bouge ! Oui, bien sûr. Hop là. Ah ! Enfin, oui. Putain, j'attendais, j'étais. Move-moi, mais bordel, move-moi! Je sais pas, moi, je. Mais t'es pas prêt, en fait! T'es pas prêt! Omelette au fromage! Comment ça? Non, mais t'es j'ai peur prêt. De ce que vous me dites, là, de mais, t'es, de mais t'es pas prêt! Dinu, hier, il a passé la soirée à pourrir mon chat! Des pas, blagues Dinu, avec tu du. Un câble, mais c'est rien. Ouais, non, mais je l'ai prévenu, là, si elle continue, c'est. Tiens, et en plus Nyx il te lance, hein. Il te lance. Non mais attention, hein, vous allez vous manger un thé. Il y en a un qui te demande si on a le droit à la brioche à la place du pain. Ouais, non, non, j'ai répondu que non. Moi je suis sur Minecraft, donc voilà. Ah, du coup, bonjour à tous, non, ceux qui sont dans le chat à Broyarm. Alors, comment dire ? Tu sais que depuis tout à l'heure, je te lançais pour savoir si on pouvait venir en vocal avec toi, parce que... Tu parles pas beaucoup en fait. Bah c'est le live, hein, c'est ça. Mais hein. Oui, mais enfin, lance des sujets de conversation. Mais c'est pas un aparté, bordel. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que tu streams un jeu qu'il faut pas que tu parles. Mais tu veux que je dise quoi? Mais j'en sais rien, mais que la dernière fois que j'ai fait un stream sur Skyrim, on me disait mais tu parles trop. Alors. Mais il faut pas écouter ceux qui disent ça. Bah oui, mais hein. Bon. Tiens, regarde, il y en a un qui te demande, raconte-nous ta vie. Non, raconte bah non, ta mais non. Vie. Mais pourquoi, pour allez faire quoi? Bon, pour bah, les femmes le célibataires, Brian, 22 ah, ans. Oui, c'est vrai, le chat. Il a un chat. Ouais, j'ai un chat. Il me mène la vie dure. Raconte tes bêtises, sinon je continue. Mais tu veux que je dise quoi? Mais qui a dit que tu parles trop? Mais je sais et plus. Et juste comme ça pour l'anecdote de Oshodix. Alors en fait on était un live Phasmo. Et mais j'ai raconté déjà non. Je m'en vais et du coup juste avant qu'il parte je lui dis vas-y balance ta petite pub sur ton live de demain. Donc c'était sur l'aparté justement. Et là du coup ça commence à partir en sucette avec Engine qui fait ouais de toute façon le thé c'est de l'eau chaude en fait c'est tout c'est de l'eau chaude aromatisée. Et de là, c'est parti ouais. En débat sur Phasmo. Et Brian finit par dire « Bon, bah c'est bon, je m'en vais. » Et Brian, au moment... Une question. Vas-y. Je vais... Alors, tu sais, j'ai revendu une montre, etc. Il y a moyen que je me prenne du thé un peu spécial pour goûter. Parce que il y en a un que je connais pas. Je t'en parlerai en privé, si tu veux. Bah, on peut en parler maintenant. Sinon, on peut parler de thé. Hein. Il n'y a pas de souci. On parle de thé sur Skyrim. Bon, il n'y a pas de souci. Nix, attends, je t'envoie le lien. Nyx, oui. Y a Dinu qui demande si tu peux le move. Non. Non. Non, ça a une race. Oh, une grosse araignée. Je le toi. Oh non, non. Non, pas araignée. Non, non. Viens là, toi. Tiens, même Dino, qui dit que tu parles trop? Tu vois, tu parles pas assez. Mais c'est ça, mais je sais plus qui m'a dit que je parlais trop. Bah, tu vois, tu parles pas trop. À savoir, pour ceux qui connaissent pas, Brian est un grand spécialiste de thé. Hein. Oui, tout dans la bio, d'ailleurs. C'est marqué dans la bio. Oh non, Guilo qui s'y met aussi. Enfin, un grand amateur. Goûte. Non mais ça va, ça. Goûter, ça va. Goûter. C'est Nyx, comme le santé et sans café. Nyx, move Dinu, allez. Non, ça risquera pas. Il est tout seul, le chef. Alors attention, c'est Dinu, ouais. Attention. Il a dit, mais pas de blague. Il veut parler de ouais, thé. Alors, pas de blague, hein. Attention. Ou grand chef, qu'est-ce que tu dis, oui ou non? Je dis oui, mais attention, une seule blague. Oh le lèche-cul! Oh le lèche-cul, grand chef! Non, ah, grand chef, y'a pas de grand chef, mais. Oh le lèche-cul! Alors, grand chef, tu vois, c'est surtout qu'il est en live, donc en gros, il décide des gens qu'il veut, quoi. Bah ouais, mais du coup, regarde, il est plus en vogue. Bah ouais.
Bah ouais. Bah voilà. Bah ouais, bah elle est partie, c'est pas pourquoi. Bah moi. Voilà, voilà, vous ouais. l'avez fait partir le pauvre Dinu. Hein, ouais. je prends ta défense et tout là. Mec. Hop. Ah, surtout je c'est compliqué que... de discuter en même temps que tuer des gens donc. Oh. Ça se fait comme ça, vite fait, hop, tu balances une boule ouais. de feu, hop, c'est bon, tac tac. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, t'es un mec, tu peux pas faire deux choses en même temps. Ouais, y a pas que les mecs qui savent pas faire deux choses en même temps. Ah, tu dis ça pourquoi? Bon, pour plein de choses, mais je suis pas le seul, hein. Donc... Ah. Bah écoute, je vois pas de quoi tu parles. Non, bah non. Non, je ne vois absolument pas. Il devrait pourtant aimer quoi. Les blagues que je fais. Bah, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Mais alors, clairement pas. Non. Non. Non, non, non. Okay. Il devrait pourtant aimer les blagues que je fais, Kimira. Ça ne risquera pas. Allez, non. Dinu, viens vocal. Et chope la pièce, bordel. Il veut pas prendre la pièce. Tant pis. T'en es où dans l'histoire en Skyrim, là? J'en sais rien. Bon, l'histoire principale, bah, je dois être... Quand je dois rencontrer l'autre, la Delphine, je crois. Oui. What? Oh, voilà. Oh mon dieu. Attends. Ouais, lui-même, c'est surfait. Quoi? Non, non. On refuse. Alors, oh, juste bah, pour écoute. Continuer le petit truc, parce que j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, tiens, j'ai commenté une story de ma sœur et ça a fini en... Au fait, ça devient quoi ta vie sentimentale? Et là, ma sœur, donc je lui réponds, pourquoi cette question? Et elle me fait, pour savoir, ça serait bien d'apprendre par toi et non par des copains. Hashtag, compte Tinder. En gros, non mais parce que j'ai un compte Tinder. Oui. Mais genre, ça fait je sais pas combien de jours que j'y suis pas allée. Et en gros, je pense qu'elle a des potes à elle qui m'ont trouvé sur Tinder, en fait. Ah bah d'accord. Bah écoute. Qui ont peut-être... Qui ont dû croiser mon compte et voilà, quoi. Oh là 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 là. Mais attends, mais là, je t'avoue que... Oh putain, j'ai le seum, là. Bien, à alors... Savoir que, à savoir que ma sœur habite à la campagne, à genre 15 minutes d'ici, en voiture. Donc je me dis, punaise... Hop. Le Tinder surprise, c'est une MST? Je crois. Oh non, mais je t'avoue que là, j'ai le seum parce alors. Que je me dis, mais laisse tomber, combien de ses potes ont dû tomber sur mon profil, en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, l'humour, c'est surfait. Mais non, c'est pas surfait, Lod. C'est simple. C'est pas surfait. Diversion. Non, non, Briard me refuse. Mais non, mais il t'a pas refusé, il a dit oui, mais pas de... Bah pas écoute, de non, fait. Mais là, c'est Dinu qui refuse, donc écoute... Allez, Dinu souci, hein. Bah non, mais s'il veut pas, il veut pas, vous allez pas le forcer, quand même. Mais non, je le force pas, c'est lui qui a dit, il a dit non, non, Briard me refuse. Bah oui, mais après, il... Enfin, oh. Bien, attendez ma diversion et montrez-moi ça. Allez pas mettre le feu, d'accord? Oui, pardon, excusez-moi, monsieur, je vais pas mettre le feu. Kimera, on t'a cramé sur Tinder. Non, mais je t'avoue que là, j'ai grave le... C'est qui m'a désir. Non, mais je t'avoue que ma sœur qui me sort ça, quoi. M'a désir. C'est qui m'a désir? Ah, c'est lui, m'a désir. Oh là 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 là. Allons, Brignolf. Qu'est-ce que vous voulez encore? Patience, Manche. Une opportunité de... Non, mais je suis visible, en fait. C'est de la merde, son truc. Si vous recherchez les plus beaux bijoux de bord de ciel, passez de... Vous avez déjà dit ça. On va jamais y arriver entre Dinu et Brian. Oui, en vrai, Osef, c'est pas grave d'être sur Tinder. Bon, on s'en fout, de toute façon, oui. Mais je crois que cet objet est authentique. Jeune Jean. Non, c'est pas... Non, je t'avoue que c'est pas grave d'être sur Tinder, mais du coup, que ma sœur, elle me dise... Elle me le balance ça en mode de, ouais, j'aimerais bien être au courant avant les autres. Bah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, enfin, mais c'est pas ça, c'est... C'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas trop mon genre de lui raconter ma vie sentimentale, bah, voilà. En fait. Nyx, tu peux move Dinu, il est dans le chill. Dans le chill. Dans le chill. Dans le salon de chill. Ah. Oh. Attention, un truc qui va pas, tu dégages. Attention. C'est légèrement intrusif, lol. Je ne ferai pas de blague. Oh, l'épée Dinu, de Damoclès au-dessus. Dinu. Micro. Éloigne ton micro. Encore, allez, ça y est. Encore, éloigne ton micro. Là, c'est bon. Merci, oui. Tu sais quoi, quand tu fais une blague, je le mettrai de frais. Ça y est, il en zozote, le pauvre. Ah ouais, pourtant c'est pas une blague, là. Je ne peux pas m'en offrir. Ah, j'ai mis un silence, là. Attends, surtout que j'écoute, en fait, hein, c'est pour ça. Je suis en train de répondre à quelqu'un, en fait.
pour ça que je vais pas dans les channels en général quand je joue à Skyrim, c'est que j'essaie d'écouter au moins. Non mais là c'est ouf. Attends, tu me disais quoi du coup, Dinu? La prochaine fois, le prochain live, je mettrai mon micro de parler, du coup. Ah non, 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 tu fais ça, mais je te mute. Je te mute, je te panne, je te fais la totale. Guilo qui dit, on n'entend pas beaucoup d'Inu. Je crois que c'est peut-être fait. Ouais, exprès. Alors attention, et on va entendre encore moins hein, s'il continue ces conneries. Hein. Attention. Si vous recherchez les plus beaux bijoux de bord de ciel, alors toi, par contre... Excusez-moi, monseigneur. Je serais ravi de vous... Tout le monde me regarde, c'est génial. Non mais, c'est bien parce qu'il y a tout le monde en fait autour de lui, donc je peux pas voler. C'est de la merde. Oui, je n'ai pas toute la journée. Revenez quand vous aurez plus d'or à dépenser. J'en aurai bien besoin. Bon allez, c'est bon, c'est buggé. Cette quête, elle est buggée. C'est ciao. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. C'est en dessous. Des vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. Allez, on va voir en dessous. Hop. Hop, la souricière. Ah, je serais bien curieuse de savoir qui a matché ou qui a liké mon profil là, parce que sérieusement. Et qui est pote avec ma frangine, c'est ça le pire. Oh, oh putain de merde. Il est déjà puni alors qu'il vient d'arriver. Ouais, t'as vu, carrément. J'anime le chat à Braillard, hein, parce que du coup. Bah, en même temps, je suis en train de combattre, donc c'est un peu compliqué. Et puis quand vous parlez, il y a les dialogues en même temps, donc c'est compliqué de suivre. Ah, du coup, j'évite de parler. Ouais, voilà. Hop. Putain, je suis dans l'antre des voleurs, ça va pas le faire. J'espère que t'es bien équipé, mon braillard. Non, c'est pas le cas. Ah, c'est compliqué alors. Ouais. C'est ça le problème. Ça, c'est pour tomber, ça. Alors, par où on descend? Par où on descend? En fait, c'était par là, Bayern. Bah non, c'est pas par là. Bah si, faut que tu sautes, en fait. Bah je vais pas sauter, non. Bah là, ça risque pas, là, non. Non, non. La bagarre. Quoi, la bagarre? La bagarre. Bah oui, il y avait les voleurs. La bagarre. Il y avait les voleurs. Oula. Doucement avec le chat. Alors du coup, vous vouliez parler de thé. Parlons de thé. Ah oui, c'est vrai, Nyx, c'est toi qui avais demandé. Alors, que veux-tu, Nyx? Eh bien, J'hésite à prendre deux grands crus. Ouais. Deux grands crus. Oui, c'est des grands crus. Le problème, c'est qu'il me faut ton avis. Alors, voyons voir. Déjà, quelle est la région pour toi la meilleure? Ou la région pour moi la meilleure? Je dirais le Yunnan. C'est Chine, Japon... Ah oh bon, c'est très différent. C'est très très différent, ça dépend de ce que tu cherches. Vous avez vu celui-là déjà? Quelle marche? Mais c'est où qu'elle marche? C'est où qu'elle marche? Je connais pas. Où que c'est? J'en vois un peu, mais j'y connais strictement rien. Ouais, il faut s'y intéresser un minimum. Puis tu vas voir, c'est très 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 intéressant, et plein de façons de faire le thé, plein de trucs. Enfin, c'est génial, moi je trouve ça fascinant. Moi. Comme il l'a dit, en plus, il y a des températures à respecter aussi pour bien faire infuser le thé. Ça dépend de quel thé, enfin voilà quoi. C'est... Sahartal, Hôtel d'Azura, Aube Étoile. C'est où? Il y a le marche. C'est où? Elien, Rivebois, Tertre des Chutes Tourmentées. Ah, qui mettent une recherche dans le jeu, tu sais, et puis hop. Bah oui, au moins que tu connais, parce qu'il y a le marche, ça me dit rien du tout en fait. Attends, t'as fait un TCL ou c'est moi? Un quoi? Quoi, un TMM? Un quoi? TMM1, le code cheat, tu l'as pas fait? Je joue pas avec les cheats moi. Hein. Je suis pas un tricheur, monsieur. Ça veut dire que t'as été partout. Oui, j'ai été un peu partout, mais pour l'instant, j'ai pas tout visité, parce qu'il y a tellement de plus de trucs. Bah, normalement, c'est blanc, d'icône. Tu peux activer, non, si tu cliques sur tes quêtes, tu peux activer et tu peux voir sur la carte. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais il y a certaines quêtes où ça ne marche pas. Voilà, par exemple, là, c'est Venez en aide. J'en ai le marche, activé. Pareil, trouver le propriétaire de la griffe d'or, j'active, mais il n'y a pas plus d'infos. Donc voilà. Alors du coup, on va voir ce que tu m'as
proposé. Bon, et en vrai, Skyrim, je pense que le mieux, c'est que j'arrête Skyrim, parce que sinon, je vais pas m'en sortir, je vais pas réussir à suivre l'histoire, donc hop, juste sauvegarder. Garde rapide. Quelle marche, ça me dit rien du tout. Truc de fou. Hop. Et on va se faire un aparté T. Hop. Hop, on va changer le titre, et puis on va passer en aparté. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, écoutez, je peux pas faire et le jeu et discuter, voilà, c'est le problème. Ah d'accord, en fait... Du coup, voilà, le live, il est passé en à l'improviste, et comme oui. Ça, de Skyrim à aparté, quoi. Bon bah c'est parti, du coup. Eh bah écoutez, voilà. Ça, vous allez apprendre des choses aussi. Et comme ça, du coup, pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, il y a toujours le petit point d'exclamation Discord pour rejoindre. Ouais, mais je sais pas s'il marche. Bah si, je viens de le taper. Non, mais le lien. Bah, le lien. Attends. Bah ouais. Je vais non, il marche pas le lien. Il marche pas le lien. Il fonctionne pas. Ah merde. Donc si vous avez besoin du lien, bah n'hésitez pas à proposer, à demander, donc voilà. On est plusieurs à pouvoir vous le donner, donc n'hésitez pas. Tiens, attends, on peut mettre des liens, en fait, ou pas, dans ton Discord? Oui, dans Vous pouvez mettre des liens, mais ça va contrôler. Je viens de générer un lien, c'est bon. Voilà. Alors, donc, nous avons le Hongyokuro de Monsieur Omura. Ah, mais attends, mais t'es sur quel truc? Palais d'été, ok. Et Kabuse Shinsha. Kabuse Shinsha. Alors, voyons voir. Il y a quelqu'un qui vient de rejoindre, donc faudrait peut-être qu'on se mette dans un chan pas verrouillé. Comment ça, quelqu'un qui vient de rejoindre? Bah, il y a Lod, il vient de rejoindre ton Discord, patate. Eh ben. Eh ben, faudrait peut-être qu'on se mette dans un chan normal et pas dans un chan verrouillé, ben non? Je suis en stream. Non. Que tout le monde vienne pas sur le stream. Oui, voilà, j'avoue. Et en plus, il veut pas parler. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Moi, je suis timide, wesh. Mais enfin. Je suis timide. Bon, on n'a jamais ouais, mangé personne. Ouais, timide vite fait, quoi. Hein. Timide vite fait, hein. Jamais mangé personne, moi, perso. Si, moi, une fois. Moi déjà mordu, mais jamais mangé. Petit déjeuner. Hein. Alors, nous avons un grand cru aux notes vives, végétales et iodées, avec un goût umami puissant. Alors, le goût umami, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une des saveurs les plus... pas les plus fortes, mais les plus appréciées au Japon. Enfin, qui est la plus recherchée. En général, dans les ramen, par exemple, et, la soupe, ils font ressortir l'umami, c'est une sorte de... pas de fermentation, mais un truc du genre, pour justement faire ressortir tous les goûts, et c'est ce qu'ils appellent l'umami. L'umami, c'est le goût qu'ils cherchent, c'est le goût parfait. Voilà. Donc, un cas où un thé d'ombre, plusieurs jours avant la récolte, on retrouve le théier assez privé de la lumière, feuille de concentre, théanine, je connais pas ce que c'est, et donne naissance à un thé d'une grande douceur. Kabuse se caractérise par une texture dense qui soutient des notes vives, végétales et iodées, avec un goût umami puissant. Déployer toute la complexité aromatique de ce thé, privilégier les infusions multiples avec Kyozu ou un Shibori Dashi. Il est aussi possible de réaliser votre thé à froid en remplaçant l'eau par des glaçons. L'infusion est terminée lorsque les glaçons ont totalement fondu. Il vous recueille ainsi une liqueur concentrée et intense, rare, comme des perles de rosée. Ça, j'ai déjà fait, c'est incroyablement bon, ça. Faire infuser un thé avec des glaçons, c'est incroyablement bon. Mais oui, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce rare comme des perles de rosée. Ce thé est issu de l'agriculture biologique. Bon, ça, c'est en général, ça, c'est palais d'été. Une valeur sûre, c'est biologique. Tout le temps. Mais je suis un grand timide anxieux. T'inquiète, je l'étais aussi. Ouais, énormément. Je bloquais. Dès que quelqu'un me parlait, c'est je bloquais. J'ai... Oui. Non. Oui. Non. Bon, ouais, peut-être. Ouais. Au revoir. C'est ça. Alors, feuilles sèches, fine aiguille, pétale frais, beurre et vanille. Ok. Ok. Thé à déguster, 2 minutes 30, 60. Ah oui, donc il est très 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 fragile. Alors ça, je veux être sûr de ce que c'est. Kyozu est équipé d'un filtre qui retient les feuilles de thé hors du service. Oui, donc c'est juste une théière avec le filtre de l'intérieur. Ouais. Okay. Hop. Donc ouais, c'est un thé très très fragile. Sauf que chez moi, ça se voit pas, je masque tout. Ah non, mais moi aussi.
Sache qu'on est à peu, je pense qu'on est à peu près pareil sur ce point-là, c'est qu'avant, je bloquais complètement, et on voyait pas que j'étais complètement timide. Et c'est au bout d'un certain temps, dès que je commençais à me connaître, je fais « Ah, mais t'es timide, toi !» Je dis « Oui, bien sûr. » Ou alors, j'ai mal compris, dans ce cas-là, toi, c'est pas du... Enfin, comment dire. Intérieurement, t'es très 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 mal, et à l'extérieur, on voit pas. C'est ça en fait, si j'ai mal compris en fait. D'accord, donc celui-là il est assez. LOL. Quand j'ai dit que j'étais anxieux à des potes, s'ils le croyaient pas. D'accord, c'est ça, bah du coup. Ok, d'accord, bah je comprends. Ouais. D'accord, donc un Cabuzé Sincha. Donc ça c'est un grand cru, donc c'est les trucs les. Ouais, 36€ la vrac de 200 grammes, ouais. Ouais. Un thé en général c'est 8€, 10€. Putain, oui, d'accord. Langue du monde. Hein. Exclu web. Quantité très limitée. Un grand cru avec texture très épaisse qui dévoile une saveur umami d'une puissance exceptionnelle. Ouf, il donne envie déjà. Ainsi que des parfums complexes. Alors, les parfums complexes, qu'est-ce qu'il dit ? Le Gyokuro fait partie de la famille des thés d'ombre. Un théier ont été couverts 30 jours avant la récolte des feuilles afin d'obtenir une concentration aromatique intense, une saveur umami puissante et une texture très douce. Son nom signifie perle de rosée. En hommage à sa grande délicatesse. Le Gyokuro est l'un des thés les plus précieux du Japon. Celui-ci est particulièrement exceptionnel, car il était couvert avec une structure en paille entièrement confectionnée à la main. On l'appelle Gyokuro. Sa texture très épaisse tapisse le palais et dévoile une saveur umami d'une puissance exceptionnelle, ainsi que des parfums complexes. Un grand cru remarquable. Ah, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est les goûts exceptionnels. Les goûts complexes. Parce que ça veut rien dire en fait, des goûts complets, des parfums complexes. Ouais, on est plein quoi. Il n'a pas de spécificité, feuilles sèches. Ah, infusion, parfum végétal, mentholé, floral. D'accord. Infusion dominante marine, animale, saumon. Ah, c'est rare ça. Végétal, fruité et floral. Bon, là, c'est iodé, ouais, mais c'est pas goût saumon. C'est étonnant ça. Saveur goût umami d'une intensité rare. Parfum de la liqueur. Fruits de mer, saumon végétal, gazon fraîchement coupé, amande fraîche. Oh, mais t'as trop envie celui-là. Par contre, ouais, le prix. On va dire qu'il pique un peu. Oh putain, mais j'adore ma sœur, putain. Tes saumons, j'avoue, c'est pas comme un. Bah ouais, ça sert à. En général, c'est iodé. Comme t'es. C'est, ouais, c'est. Là, bon, là c'est des tiges, j'ai l'impression. C'est des feuilles très fines. J'ai pas lu complètement le truc. Feuille sèche. Fine aiguille. Très régulière, ouais, c'est ça. Tac. Ah, bah, les deux sont très bien. Je saurais pas te conseiller. Ça dépend de ton goût. Et alors, comment tu le fais ? Ah, aussi très. Oh, il est encore plus fragile celui-là. 2 minutes 30 à 50 degrés. Donc, ouais, donc c'est. C'est assez complexe, quoi. Après, tout dépend de tes goûts. Si tu veux tenter des choses avec un parfum immarin, certains, comme moi, je suis pas fan, vraiment. Mais ça peut être intéressant, parce que goût saumon... Oh mon Dieu. Enfin, c'est intéressant, quoi. Ouais, en vrai, moi, ça m'intéresse, tu vois. Sachant que l'autre, le Cabuzé Shincha, en feuilles sèches, il a un goût beurré vanillé. En infusion, donc quand il est en train d'infuser, végétal, beurré, fruits à coque. Et une fois fini, herbes fraîches, iodées, noisettes fraîches et beurrées. En vrai, celui-là m'intéresse beaucoup plus parce que j'adore ces odeurs-là, ces parfums. Tu veux que je te prenne un sachet ? Non, bah non, je me les prendrai. Bah, tu me dis, hein, parce que quand je vais me faire une commande... Ah bah là, de toute façon, faut que je me fasse une commande, j'ai bientôt plus de thé. Hein. Déjà que j'ai une perte avec ce démon, là. Ce démon qui est en train de dormir. Là. J'ai une perte de certains thés. Bon, sachez qu'on a été éventrés. Je vous confirme. Oui. Des amis de ma sœur sont tombés sur mon profil. Putain. Ah, oh, bordel. Et elle me fait, tu sais, il y a des trucs, j'aurais préféré les apprendre par toi plutôt qu'on vienne me montrer ton profil sur Tinder, écoute, en fait. Là, c'est de leur faute, alors. Elle me fait, tu sais, je veux pas te fliquer, mais j'aurais préféré qu'il y ait certaines choses que tu me dises toi-même. Écoute,
Oh putain! Et non mais vous vous rendez compte quand même que je suis l'aînée, ma sœur a 2 ans de moins que moi, elle est casée et tout, hein, heureuse en ménage et tout. Ma situation a changé dernièrement, je me sens certes plus proche d'elle depuis un bon moment, du coup depuis que je rencontre mes problèmes perso, mais jamais j'aurais cru qu'elle viendrait me dire « Mais tu sais au fait, tu peux parler sexualité avec moi en fait. » Oui d'accord. Mais jamais, jamais j'aurais cru qu'elle viendrait un jour me dire « Mais tu sais... T'es pas obligé de me raconter les détails, mais tu peux te confier à moi. » Alors que jusque-là, on n'était pas proches sur ce plan-là. Hein. D'ailleurs, tiens, ça, j'en viens à une petite question du coup. Oui. Briarm, es-tu assez proche de ton frère pour lui parler de ta vie sentimentale et pourquoi pas de ta vie intime ? Bah, j'en vois pas l'intérêt en fait. S'il me pose la question, oui. Bah ouais. Mais s'il me pose pas la question, je vois pas l'intérêt en fait. Non, mais je pose juste la question comme ça, quoi. Ouais, bah non, mais y'a aucun souci, on peut parler de tout, voilà. De toute façon, mais... Ouais. Ouais, non, mais voilà, justement, est-ce que toi, t'arrives à parler de tout, par exemple, avec ton frangin ? Ouais. Ouais. Eh bah, t'en as de la chance. L'inverse, c'est peut-être pas forcément le cas, mais moi, dans un sens, ouais. Connaissant ton frangin, à mon avis, non, il te racontera non, voilà. Peut-être pas tout, hein. Non, mais déjà, j'ai pas beaucoup de nouvelles de lui, à part quand bah, on est en stream ou qu'on joue ensemble. Ah voilà, bon quoi, c'est... Bah, on n'est pas des frères où, vraiment, on parle tout le temps, hein. Ouais, non, mais on est très solitaires l'un de l'autre. Je dis pas qu'avec ma sœur on est du genre à parler tout le temps, mais je veux dire, je sais que voilà, on a qu'à se revoir chez mes parents dans une semaine, alors que ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. On va se voir, on va se parler comme si on s'était vu la veille, tu vois. C'est vraiment, je sens qu'il y a cette proximité quand même, ouais. mais il y a des sujets sur lesquels je me sens pas chaude ou à l'aise pour parler, du moins pour aborder avec ma frangine, quoi, tu vois. D'accord. Non, mais après, on a une relation très complexe, on va dire. Des gens qui comprendront pas. D'accord. Genre, on se déteste à un point, mais vous imaginez même pas. Et on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Enfin, ah ouais, carrément. Ouais, non, mais alors ça... C'est compliqué, non. Quoi. Non, ça, c'est le côté frère et sœur. Parce que je t'avoue que mes frangines, je pourrais pas les voir tous les jours. Hein. Vraiment, j'en arriverais à un point où vraiment, même sous le même toit, on se détestait un truc de ouf. Hein. Ah non, mais suffit qu'on se voit une heure, c'est fini, hein, ça part en baston. Hein. Mais non, pas une heure. On se supporte pas à ce point-là, hein, mais y a des moments juste où il y a des complicités de fou. Quoi. Ça part sur des relations sociales. Bah ouais, écoute, on parle de tout. On parle de thé, puis de toute façon, le thé, c'est un. Comment ça s'appelle ? Oshodix. Oshodix, bien sûr. Bien sûr. Ça venait de lui. J'y repense quand tu dis, bah ouais, on en arrive à un point où des fois. Et là, dans ma tête revient Oshodix. Ouais, de toute façon, il nous saoule avec son thé, là. Oh putain, ouais, parce que là, je l'ai fait goûter une seule fois le thé, un thé que j'avais mal préparé et il a pas aimé. Ah, je l'entends d'ici quoi, redire puis, ouais, de toute façon, le thé c'est de l'eau chaude parfumée. Il a pas de quoi, goût, il a pas de palais. Lui. Il a pas de goût. Il a pas de pierre, il a pas de palais. Bon, moi, alors, du coup, Nyx, tout dépend de toi. Oui. Et du coup, on en a un, donc le. Comment ça s'appelle ? Le Han Gyokuro de Monsieur Omura. En texture très onctueuse, donc presque crémeux, on va dire. Et l'autre, onctueuse. Donc, ouais, c'est la même chose. En vrai, il y en a plusieurs qui m'intéressent, tu vois. Ah, bah, voyons. Envoie donc. Je vais t'envoyer ça. Envoie donc. Voyons voir cela. Bah, attendez. Je vais vous ramener en même temps. Hop. Certains thés, comme ça je vais vous expliquer le truc. Moi, ouais, sinon, Nyx, t'as des frères et sœurs, toi ? Nope. Et toi, Dinu ? Oh, Dinu ? Un petit frère. Oui, un petit frère. Et t'es proche de ton frère ? Alors, à quel point ? Bah justement, au point de parler de tout et de rien, ou justement assez distant quand même. Oh, assez distant quand même. Non mais je dis ça parce que comme Briarm, du coup, il est plus devant son micro, histoire d'animer le live, tu vois, parce que... Ah non, que assez ça reste... distant, on parle pas non plus des trucs intimes, tout ça. Et vous, dans le chat, est-ce que vous êtes proche de vos frères et sœurs, ou quoi, ou qu'est-ce ? Si vous en avez un. Dites-nous tout. Oui, si évidemment, vous si vous êtes sœur, enfin, fils ou fille unique... Salut. Non, parce que voilà. du coup je peux vous dire que là clairement je ne lui ai rien raconté de mes conversations ou quoi ou qu'est-ce ou des possibles
voilà, d'une possible rencontre qui aura lieu ce week-end. Mais voilà. Lod, j'ai coupé tout contact avec mon frère. Ah, il y a eu des histoires, non? Des histoires de famille qui sont venues se mettre entre vous? Parce que je sais que ça arrive, ça, souvent. Non, tu les éventres pas, toi. Je sais que tu regardes, là, comme ça, genre... Ah, griffé. Je sais, là. Tu les éventres pas, ceux-là. Oh, mais non! Oh là 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 là. Alors, les survivants, hein. Pauvres survivants. Ouais, il est au bout de sa vie là. Ah non, mais j'ai 4 sachets de thé qui étaient bah, putain de bons, que j'ai perdu. J'ai perdu la moitié à peu près. Ouais. J'étais dégoûté quoi. Non, pas plus que ça avec ma soeur, avec mon frère, 11 ans. On est... Donc il est jeune. D'accord. Donc, tu m'as envoyé le Longjin. Longjin que je connais, qui est pas mal. La fête de King Ming, 5 avril, marque le début de la récolte du printemps. Ce thé cueilli avant cette fête est particulièrement rare. Le Longjin, puits de dragon, de la province de Zhejiang. Se caractérise... Non mais je sais pas si ça se dit comme ça en fait. Se caractérise par sa feuille pliée, brassée au wok par un mouvement précis. La plus haute qualité de Longjin, à la fois délicat et puissant, ce grand cru présente... Les notes végétales, minérales, métalliques, pyrogénées et gourmandes. Oh, intéressant. Alors, belle récolte fine au pliage régulier. Couleur très beau vert clair et lumineux. Parfum pain grillé végétal fruité. Ouh, ça, ça donne envie. Ça. En infusion végétale, florale et fruitée. Ok, bon, comme la plupart des thés en général. Liqueur, saveur sucrée. D'accord. Végétal frais, minéral, fruits à coque. Noisette fraîche, arachide, artichaut, floral et pyrogéné. Alors pyrogéné, je ne sais pas ce que c'est. Bah, 4 minutes à tour. Ouais, je vais chercher vite fait. Hop. Alors, let's go to Google, my friend. Bah, quand on te parle comme de la merde et on te juge, on te dit ce que tu dois faire de ta vie s'il y avait que ça pendant 38 ans. Et ah ouais. À un moment, la corde elle casse. Ah ouais, pas d'accord. Normal, okay. Normal, ouais. Mais non, genre, ton frère, il a quel âge par rapport, par l'action non, du par rapport à toi? Parce que du coup, tu mets 38 ans, donc déjà, tu viens de révéler ton âge, mais... Ouais, j'avoue, de là à se sentir jugé. Mais tu sais que, franchement, je viens d'apprendre que je me trompais lourdement sur ma frangine. Hein, parce que, autant celle qui a 4 ans de moins que moi, je peux lui parler. Mais alors, vraiment de tout, même dans les détails. Hein. Celle qui a 2 ans de moins que moi, j'ai toujours eu un peu de réserve par rapport à elle. Et là, en gros, j'apprends, par ces messages-là qu'elle est en train de m'envoyer, j'apprends que je peux vraiment lui parler de tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Nyx? On est d'accord, Brian, donc nous deux, on est un peu jeunes comparé aux deux, là. Ah non, mais bien sûr, hein. Tout à fait. Ah, là, allez! Allez, s'il te plaît, ressors-nous le poème au Chaudix, s'il te plaît. Hein? Le poème au Chaudix. Attends, merde. Tu l'avais écrit, tu l'avais dans un document Word. Infusion, je t'envoie un cochonix. Pyrogéné. Pyrogéné, ça veut dire fait avec l'action du feu ou un truc du genre. C'est pas un problème de quoi parler, mais comment en parler, bref. Oui, oui, c'est la façon de parler. On peut parler de tout avec tout le monde, mais c'est la façon de parler qui change, quoi. Aïe, t'es à la gare? Trois ans de plus, trois ans de plus, c'est pas une raison pour juger, en fait. Oui, voilà. Chacun sa vie, chacun ses envies. Ok, allez, ses hein, besoins, tu fais pas comme fait, ça. Hein. Hein. Je me sens jeune aussi. Oh, Guilo. Non, mais on est dans le même cas. Je suis dans le même cas. À savoir que Guilo est 10 ans plus jeune que moi et pourtant elle est devenue ma meilleure amie. Ça fait 2 ans que je la connais. Et elle est devenue une de mes meilleures amies avec qui je peux vraiment parler de tout aussi. La preuve, on est deux. Bah, toi, allez. T'es devenu ami avec un gars de 50 ans, je crois. Quand? C'était quand t'étais au lycée encore. Je déteste viscéralement l'arrogance. Ah non, mais ça, je peux comprendre. Si, y avait un les gars, personnes arrogantes, moi, ça m'exécute. Je sais plus comment il s'appelle, hein. Je suis désolé. Mais... Là, je veux rien dire, franchement, mais tout à fait. Tout mais à fait. Ouais, carrément, la preuve, regarde, on est sur les mêmes délires et tout, toutes les deux. C'est possible, mais je sais plus. Il y avait David. Un pion. Non, ça c'est au collège ça. Ça c'est avec je parle de lycée. Mais ouais. Là ça veut rien dire. Hein. Tu peux être. C'est juste si le mental va ensemble. Bah écoute. Voilà. C'est ça. Exactement, Lod. Après, je suis devenu ami. Là on n'a plus trop de contact. Je suis devenu ami avec un gars qui avait 40 ans.
faisait du jeu de rôle ensemble. Et ouais, on était super proches, quoi. C'était génial. Alors, le poème, c'est « Eau chaude, thé, rien, fusion. Je t'invoque, notre dieu, Eau chaude X. » Voilà. Ah. On se comprend, on n'est pas d'accord sur tout, et pourtant, on s'entend et on discute super bien. Bah oui. Mais de toute façon, voilà. J'y suis. D'accord, mais j'arrive. Ah, mais attends, vous êtes sur Minecraft, vous? Oui. Bah oui. Mais on n'était pas en train de parler de thé. Bah si. Mais qu'est-ce que tu fais, alors? Bah on est en train de parler autre... On fait aussi autre chose pendant ce temps. Ah, t'es toujours là, toi? Oui. Oh putain. Ah, t'es toujours là, toi? Juste pour ton plus grand bonheur. Ouais, attention, attends. Je rigole, bien sûr. Je rigole. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Bon, alors, du coup, c'est le long game, c'est tout ce que t'as? C'est ces trois-là qui t'intéressent vraiment? Bah, c'est plein les trois-là, ouais. D'accord. Bah, écoute. Pour ma part, les trois m'intéressent énormément parce que j'en ai goûté aucun et les goûts sont très étranges. Alors, je pense que le long jean sera plus simple à préparer. Il a moins, tout raté. Gongfucha. 30 à 40 secondes, d'accord. Alors, allez. Trop bien. Vas-y, monte dans le wagon. Hop. Putain, je suis perdu là dans ma tête. Là. Il y en a qui parlent de Minecraft, un par qui parle de social, et là je parle de thé, je comprends plus rien. Il y a un qui s'est pris une châtaigne. j'ai du mal à suivre. Il s'est pris le câble, putain. Bon, du coup, c'est à toi de choisir. Nix. D'accord. Là, je pourrais pas choisir pour toi parce que de toute façon, je ne connais pas tes goûts. Je ne connais pas non plus ton niveau de préparation de thé. Si tu as les trucs pour préparer, les accessoires pour préparer le thé. Donc, j'ai tout. J'ai tout. Genre. Littéralement, j'ai tout ce qui existe. C'est-à-dire. Décris-moi tes instruments. Je sais pas comment te décrire, moi. Bah, théière avec température quoi. Ou théière qui monte. Non, avec température et tout le bordel. Ok, bon, ça déjà c'est un bon point, parce que si t'as pas ça, bah tu peux pas faire du bon thé. Bah oui. Théière, peut-être. Oui. La cérémonie japonaise, c'est dingue. Ouais. C'est très compliqué à effectuer, parce que de toute façon, c'est une cérémonie qui est très stricte. Ah oui, la cérémonie du thé japonais, ouais. C'est assez complexe. Bah, je t'avais envoyé sur Messenger une vidéo, Royarm, là-dessus. Oui. Justement, d'un reportage sur France 3 ou je sais pas quoi, sur le thé japonais, je l'avais retrouvé et je me suis dit, mais punaise, il faut que je lui envoie parce que on en avait déjà parlé. Et je t'avais dit, le jour où je la retrouve, je te la donne, je te retrouve les infos et je te les envoie. Mm. Ouais, ça dure plusieurs heures, et carrément. Oui, vraiment. C'est ça, parce qu'il y a tout une façon de faire, des gestes, des... Ouais, un rituel. Enfin, un peu comme une sorte de rituel, oui. C'est une cérémonie, quoi. Oui, c'est une cérémonie, vraiment. Cérémonie du thé, donc oui. Cérémonie du thé, dans sa version complète, peut durer jusqu'à 4 heures. Ouais, ça dure une après-midi, hein, de toute façon, c'est ça. Ouais. Mais c'est magnifique. Quand tu vois ça, c'est magnifique, en tout cas. C'est magnifique. On en a un. Alors, attends, que je fasse un peu la comparaison avec d'autres. Il doit être froid. Oh. Bah non, justement. En fait, il est bu directement, c'est même chaud, c'est l'inverse. Tu te brûles la bouche quand tu le bois, parce que justement, il verse directement le thé. Ils émulsionnent. Après, il y a différentes cérémonies du thé, mais celle que je connais le plus, c'est celle avec le matcha, le thé matcha. Et en gros, ils émulsionnent le thé avec l'eau bouillante. Tu bois directement, en fait. Dès qu'ils ont émulsionné, bon, il a refroidi un peu, mais ils te le donnent directement et tu dois le boire directement. Là, c'est ça le thé. Alors, c'est pas le rooibos. On va commencer par le on. Ouais, c'est ça. Il y en a un, c'est lequel? Thé grillé, c'est pas celui-là. Hop. Ce qui prend le plus de temps, c'est plus les gestes, le fait d'accueillir la personne dans la pièce, de préparer l'eau, de préparer justement les instruments aussi, parce que c'est pas juste tu mets de l'eau dans ta théière, tu fais chauffer l'eau, tu émulsionnes et hop, c'est bon, t'as le thé. C'est beaucoup plus raffiné, c'est très compliqué, quoi. Morceau de tige. Ah, voilà. Morceau de tige. Violatiozo. Thé, vanille. Non. Montagne bleue qui est excellent, celui-là. C'est incroyable, celui-là. Et rooibos. Bon, ça, c'est le rooibos. Hop. Donc, voilà, le cookie-cha, pour ceux qui n'ont pas non plus le budget... Pour prendre un thé à 58 euros, 100 grammes.
Enfin là, c'est 50 grammes, 58 euros. Ah oui, donc il doit être bien, bien exceptionnel celui-là. Celui avec l'umami d'une puissance exceptionnelle. D'accord, ok. Allez, viens dans le wagon derrière. Donc le cookie, ah bah tiens, je vais le retrouver facilement. Ça fait bizarre dit comme ça, Nyx, quand même. Hein, S'il te plaît. Nyx, ça fait bizarre dit comme ça. Allez, viens dans le wagon derrière. Viens dans le wagon. Viens dans le wagon. Viens dans mon wagon. Ah, t'as vu ? C'est surtout que j'ai miné beaucoup de ressources que Aïe peut prendre. Non, mais on est d'accord quand même. Aïe, t'es bon. Voilà. On est d'accord. Aïe, viens dans le wagon. On s'amène dans le wagon. Bien sûr. Alors, cookie chat. C'est l'air frais, composé de morceaux de tige, je mets les papiers en aveille, avec une attaque iodée qui se prolonge sur les notes végétales, puis mentée. Mentée ou mentolée ? Non, c'est mentée. Différent. J'aplane bonbons. Viens dans mon wagon. J'aplane bonbons pour toi. Oh merde. Belle tige verte, à la fois verte et fois très odorant, avec des notes végétales beurrées et marines. Alors ça, j'ai pas réussi parce que il est très compliqué celui-là à faire. Étant donné qu'il faut une température de 90 degrés de 3 minutes. Ah bah non, c'est pas celui-là. Je sais plus lequel je faisais. Il faudrait que t'autorises le fly, hein, parce que je me fais qu'il Je faisais plus lequel c'était, tiens. Aïe, putain. La musique est trop forte. Je viens de bouffer une ligne de tension. Infusion. Ah oh, putain, il y a plein de trucs par contre là. Très végétal, accompagné de quelques notes florales, et marqué par des notes de chair, de poisson et de crabe. J'ai jamais eu ça. Ou on va sur une dégustation de thé là. Parce que c'est la chair de poisson et au crabe. Ah bah on est tombé sur l'autre, c'est le long jean. Non, c'est pas le long jean, c'est le kabusha. Non, c'est l'autre, je sais plus. C'est intéressant celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est le Ongyokuro de Monsieur Omura. Parfum marin, iodé, fruits de mer, saumon, végétal, gazon fraîchement coupé, amandes fraîches et florales. Là c'est. Ah oui. Wesh. Très intéressant ça. Et toujours plus, monsieur. Bien sûr. Après, ça dépend comment tu le prends aussi, Nyx. Si tu le prends en vrac ou si tu le prends en sachet. En vrac, hein. En vrac. Non, parce qu'en vrai, sur Palais d'été, vous pouvez le prendre en sachet. Ah bah non. Sur Palais d'été, tu peux le prendre en sachet si t'as pas le temps non plus de faire tout le temps un truc en vrac. Si t'as pas de comment ça s'appelle ? De balance, spécialement pour le thé. En vrai, que ça risque d'être compliqué. Si elle est pas suffisamment précise, ça peut être compliqué. Ouais. Parce que oui. Vrai, mais... C'est pas genre, tu fais du 1 litre, oh bah ok, tu mets tant de thé. Non, faut que ce soit géré selon le thé, parce que si le thé est trop fort et que tu en mets trop dans la théière, ça va être infâme, c'est imbuvable. Faut vraiment que ce soit précis selon la force du thé, selon la contenance, tout ça. Genre une tasse, comme ça. C'est pas la même contenance qu'une autre tasse plus grande. Hein, c'est justement, faut que ce soit. C'est pas du tout le même grammage. C'est très précis le thé. Bon, évidemment, vous pouvez prendre du thé, faire tout à l'arrache, mais il n'y aura pas le goût qu'il faut. Tac, tac, tac. Bah, attends, on va se le faire. On va se le faire. Hein, 90 de 3 minutes. Eh ben, let's go. Je reviens. Je vais faire chauffer la théière. Alors, le cookie, hein, il faut combien de grammes, lui ? Je sais plus combien j'avais mis de grammes. Ça y est, on a lancé Brian. Ah non, mais moi je veux goûter celui-là, j'ai oublié que j'avais celui-là, tiens. Hop. Ah, celui-là en plus. Mais celui-là, ouais, le cookie chat, je l'ai. Le cookie chat. Ah, oui, okay. Bah, celui qui a un morceau de tige, avec une attaque iodée, qui prolonge sur les végétales plus mentolées. Moi je... Bah, c'est mentolé ou menté ? Putain, ils ont deux termes du coup. Ils ont deux termes. Bah écoutez, je reviens, je vais faire chauffer l'eau et puis j'arrive. Ça prend 2 secondes. Oh la vache! Le cookie chat, il est beau. D'accord. Putain, mais jamais j'aurais imaginé qu'il y avait des amis à ma sœur qui tomberaient sur mon profil, quoi. Putain. Ouais, non, mais ouais, je suis désolée, je suis restée là-dessus, mais parce que vraiment, là, ça m'a traumatisée. Ma sœur, j'envoie un message, elle me fait « Au fait, dis donc, j'aimerais bien apprendre des trucs sur toi, mais pas par mes potes, hashtag compte Tinder, quoi. » Vraiment. Ah. Quelle idée aussi. Oh mais non, mais je te jure, je me suis inscrite dessus à la base, mais alors sans grande conviction. Oh. Et du coup, étant donné que je connais ma sœur et qu'elle est du genre à tout raconter à mes parents, le premier truc que je me suis dit, c'est « Oh ! Et bordel, si elle l'a dit à papa !» Du coup, le premier truc que j'ai envoyé, c'est « Pitié, dis-moi que t'as rien dit aux parents !» Elle m'a fait « Non, non, t'inquiète !» Le cookie chat.
Elle m'a dit non, non, t'inquiète, mais tu sais, papa connaît du monde, donc il finira peut-être par l'apprendre que t'as un compte Tinder. Alors je crois que Brian va faire un meurtre. Pourquoi ? Le chat là. Cookie chat ? Le cookie chat ! Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Ouais. Ça te dérange pas si je reload ? J'ai supprimé le volet sur ce serveur, il n'est pas autorisé, machin. Vas-y. Merci. Ça restart. Comment tu es descendu sur ta cam, Ryan ? Ah, je vous jure, putain, mais l'angoisse, quoi. J'ai eu le sang qui a arrêté de circuler dans mon corps, là. Non, mais... Oh, non, mais sérieusement. Iruf, comment tu es descendu sur la cam ? Oui, c'est fait exprès, justement. J'étais vite fait. Sur Tinder, les sites de rencontre, c'est pas pour moi. Franchement, les sites de rencontre, moi... Et toi, Brian, les pas rencontres tout court. Ouais, les rencontres tout court, mais... Hop. Attends. Moi, je suis du genre, tu vois, je fais ma grande gueule et tout derrière mon micro, mais en vrai, rencontrer des gens, je suis grave timide au début, en fait. Hein. C'est bon, c'est on, et tu peux... Yep. Alors, le cookie, 2-3 minutes. Oh. Ok. Là, j'en ai mis ces 3 grammes pour... Je crois que c'est 200 millilitres, 300 millilitres. Je sais plus exactement. Moi, ma mère a rien dit quand j'étais sur les sites de rencontre, vu qu'elle a rencontré mon beau-père sur un site de rencontre. Non, mais franchement... Ah bah... On s'en fout, de toute façon. Faites bien quand vous voulez, n'est-ce pas ? Ça, par mais oui, non, mais... Crap, timide, mais quand je suis à l'aise... Mais non, mais c'est... Brian, c'est juste que ma sœur est du genre à tout raconter à mes parents, tu vois. Ouais. Je te laisse imaginer... Si genre elle a appris par des potes ou qui lui ont montré mon profil, hein, qu'elle a dit mais qu'est-ce que fout ma sœur sur Tinder, et qu'elle est allée le lendemain chez mes parents, qu'elle a fait au fait j'ai appris par des potes que Sam que Kimera est inscrite sur Tinder. Mm. Je te laisse imaginer l'angoisse du coup de derrière savoir que. Effectivement. Parce que même si mon père est du genre à déconner un peu sur la sexualité et tout ça, je me vois pas en fait aller voir mes parents et leur faire. Au fait, je suis inscrite sur une appli de rencontre. Clairement, tu vois, je me vois clairement pas aller les voir. Si après, voilà, vraiment, je fais une rencontre qui bouleverse ma vie et que ça devient sérieux, pourquoi pas leur dire oui, bah en fait, je l'ai rencontré sur une appli de rencontre, machin. Mais voilà, ça sera. Mais vraiment, je me vois pas aller les voir et leur dire au fait, vous risquez peut-être d'entendre parler du fait que je sois sur Tinder parce que je me suis inscrite dessus. C'est pas leurs affaires, de toute façon. Je sais bien que c'est pas leurs affaires, je le sais. Mais clairement, en fait, je me sentirais trop mal à l'aise d'aller les voir et de leur dire, en fait. Tout le monde le fait maintenant, aujourd'hui, donc... Mais je sais bien. Un petit chat. Petit chat qui est là. Petit chat. Moi. J'avoue, Guilo, du coup, c'est chouette. Ah non, t'as le thé en même temps. Du coup, bah, ta mère, elle a rien dit, parce que... Ouais. C'est ça, le paradoxe, je suis grave... Faites ce que vous voulez. Je suis à l'aise, je peux devenir une grande gueule. Bah tiens, c'est pareil, hein. Je suis pareil. Faites ce que vous voulez. Quelqu'un peut passer le message ? Peut passer le message à mes parents ? Bah ouais, je veux bien. Là, je vais les engueuler. Attends, et Guilo, quand je viendrai en Bretagne, je le ferai avec plaisir. Hein. J'irai les voir et puis je leur dirai. J'ai mis de tabou avec les parents. Vous faites ce que vous voulez. Je vais pas leur en parler, mais si je suis sur un site de rencontre, ils sont top total. Bah oui. Non, mais il y a des parents qui sont. J'ai jamais eu de tabou avec mes parents. Bah écoute, t'as de la chance parce que moi, pendant de longues, longues années, il y a eu des gros tabous avec mes parents. Moi aussi j'ai un souci. Vas-y. Bon, il y a assez. Il est bugué. Au secours. Pendant par exemple mes années adolescence, j'aurais aimé avoir The Conversation avec ma mère à propos de la sexualité. Hein, mais j'ai pas eu. La tête. Bah il est trouble quoi comme thé. C'est étrange. Mm. Un thé trouble. T'as mis deux glaces dedans quand même. Non, c'est de l'eau marron que j'ai mis. C'est l'eau bouse, tu vois. J'ai tiré ça non, des bah, écoute, ça doit être les tiges qui donnent cette espèce de bouillasse. Non, mais Brian, on sait très bien que t'as fait un tirage dans tes chiottes, matin. Oui, voilà. J'avoue que j'ai de la chance avec mes parents. Si je les avais pas eus, je serais SDF depuis longtemps. Ah ouais. Et bah écoute, tu as bien de la chance. Tu as eu beaucoup de chance. Ah oui, alors pour le thé, si vous voulez sucrer le thé,
Prenez pas de sucre. Prenez du miel. Ah oui, le miel. Parce que clairement... Hein. Hop. Je peux te TP. Clairement le miel, alors pas un miel fort, du miel de, d'acacia plutôt. Miel de thym est beaucoup plus fort. Hop, donc miel d'acacia c'est meilleur thé possible, enfin c'est meilleur miel possible pour le thé. Il y a sûrement des moins forts, donc si vous trouvez des moins forts, voilà. J'utilise que du sucre brun non raffiné. Ouais, mais pour le thé c'est pas top après. Mais oui, sucre brun c'est bien mieux quoi. Sucre blanc c'est de la merde. C'est de la merde. Donc Kukisha avec des notes végétales plus mentholées. Bah, il a pas beaucoup d'odeur. Celui-là, c'est sûr. Ouais, c'est lavé à la javel, je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi. Ouais, c'est en fait, ils, ont, ils enlèvent tout ce qu'il y a de. Je sais plus comment ils font le, justement, le, sucre, c'est bon le sucre blanc, ouais, mais ouais. Vraiment, c'est abusé comme c'est transformé. Quoi. Ça a plus rien de sucre en fait. Quel loco tu penses? Celle-là ou celle-là? Je pense celle-là rouge, moi. Hop. Donc du coup... On est d'accord. Ouais. Le kukisha, hop. Il peut être fait aussi à température ambiante, ouais. J'avais vu ça. T'es une des creepers? Alors, voyons voir. C'est comme le jambon. C'est gris à la base, et c'est color... Rose. Ouais. Ouais, tout à fait. Voilà l'intérieur, là. Fait fond. Oh putain. Fait fond. Oh putain. Oh fait fond. Allez, viens voir. Ah. D'accord. Allez. Ah, il est mort. Ah, il est mort. Il y a un rail qui a pété, en fait. Mais oui, il y en a plein. C'est, il y avait un autre truc que j'avais vu aussi qui était complètement transformé, c'était... Je l'ai plus. Non, 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 tu goûtes pas au thé, toi. Petit chat. Tu goûtes pas au thé. Vas-y, goûte-le. Ouais, non, non, non. C'est... T'approches des sacs, des sachets de thé, toi, je vais te marrer, toi, hein. Et là, tu as des bâtons sur Rémi. Oui, alors, les bâtons de sur Rémi, évidemment, c'est des restes de poisson, quoi. C'est du poisson brouillé, quoi. Voilà. Il y a zéro crabe, ouais, c'est ça. Bon, je vais juste devoir vous laisser. Ouais. Ok. Bah, écoute. Oui. Bon après-midi à toi aussi. Ouais, bon live. Pas à toi. Bon après-midi et surtout bon thé, Brian. Oui, bah merci bien. Bon après-midi bien. À toi. Tant que tu te fais pas embêter par ton chat. Allez, oui, j'espère bien. Et regarde l'intérieur. J'espère bien, Benny. A plus. A plus. Salut. Va voir l'intérieur. Bon thé. Oh, bien celui-là. Bon thé. Ouais, il est bien. Trop bien, mec. Ouais. Ah bah oui. T'as vu ça? Ouais. C'est quoi l'autre truc qui est bien? Quoi? Ouais. Reviens dans la loque. Il y a presque un goût de pêche. Bon. Il y a presque un goût de pêche, le kukisha. Bon, parce qu'on fait le voyage tous les deux, je crois, pour dire. Attends, faut que. Bah attends, j'ai juste prendre de quoi faire la chauffer. La goût sucré. Alors peut-être que c'est le miel que j'ai mis dedans. Bien sûr, je m'en remets en survival. Excellent, en tout cas. Oh non, mais sérieusement, putain, elle me sort la carte du. Oh là là, je lui fais, mais pourquoi j'aurais dû t'en parler? Ah ouais. Parce que je suis ta sœur. Non mais attends, elle me dit, bah, parce que c'est des copains à nous qui l'ont vu par hasard, c'est tout. Et tu sais que par ici, c'est petit, donc afficher ce genre d'infos sur ton profil, ça circule vite. Bah écoute, ils ont qu'à pas regarder quoi, si tu le, si tu le partages. Non mais c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit, mais attends, si c'était potes, pourquoi ils t'ont montré mon profil en fait? Ils ont pas à montrer mon profil quoi. Et s'ils sont tombés dessus, bah c'est que ils sont aussi dessus du coup. C'est leur faute en fait. Bah oui. Bah ouais, non mais c'est ça, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. C'est connu pour ça la campagne, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux? Moi ouais, c'était mon cas avant, tu vois. Dans ma ville, je connaissais tout le monde. Je connais des personnes. Bah après, c'est pas non plus une ville. Déjà, quand on est dans une ville, c'est pas le cas. Non, déjà, quand en ville, c'est le cas, alors dans les petits patelins, bah oui. Ah ouais, non, mais c'est ça le pire, nous, c'est qu'on est à la qu'est-ce campagne. Alors les gens, laisse tomber, ils parlent pour un rien. T'as vu, elle a une voiture rouge. Oh, oui, elle a une rouge. Mais je vous explique, parce que sur mon profil, j'ai mis bisexuel, ok? Donc ma soeur m'a fait, bah au fait, t'aurais pu me prévenir que. Oh là là.
Mais j'ai fait attends en fait. Lâche ça, toi. Je mets ce que ça. Je veux sur mon profil en fait. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Non. Moi, non. C'est ce genre de phrase, je rétorque. Bah alors, moi je te dis pas comment tu t'habilles tous les jours. Bah ouais. Comme ça. Ouais. Genre, voilà, je sais pas. Enfin, je vestimentaire, mais genre toi, tu vas pas lui dire, bah toi, tu t'habilles comme ça, quoi. T'as des trucs, des fois, les gens s'occupent des choses qui leur regardent pas, quoi. En plus, ça peut mal passer en campagne, des fois. Bah ouais. C'est ça le problème. Les gens, des fois, les gens fermés d'esprit. Ils s'occupent de choses qui leur regardent pas, sauf que. C'est quand tu leur refous sur la gueule que là ça dit mais oui mais machin et sa gueule etc. Mais oui, c'est ça. Bon après moi voilà comme j'ai écrit hein, j'ai dit bah dis donc ils sont sympas tes potes à afficher les autres comme ça. Bah ouais. C'est ça. Il manquerait plus qu'elle te réponde bah c'est toi qui t'affiches. Et re Eleanor, re. Ah, re Eleanor. Ah, mais les gens adorent les histoires des autres. Non, mais c'est ça, c'est les. Mais oui, non, mais c'est ça le pire. Les gens en plus, qui racontent tout, les rumeurs et tout, ouais. Mais c'est ça, c'est que comme je suis à la campagne, les gens, les commérages, c'est leur principale source de vie sociale en fait. Ils aiment ça, parler, commérer sur les autres. C'est incroyable. C'est ça que j'adore aussi. Les gens, ils aiment les histoires des autres. Putain, mais créer des histoires, des histoires, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux, toi, petit chat. Et tiens, d'ailleurs, j'avais pas un carton avec. Où est-ce que j'ai foutu le carton avec les histoires des autres. Les gens aiment trop se mêler de ce qui ne les regarde pas. Exactement, c'est ça, c'est leur source de distraction. Commérer sur les autres, c'est ça. C'est là-bas. Elle me fait, bah c'est toi qui t'affiches toute seule. Bah. Mais... Sûr, c'est même pas la description du mot affiché en fait. Oh du thé. Il y a eu un blanc au bout d'un moment, j'ai cru que j'avais crash. J'aime tellement le thé que j'ai acheté une machine. Hein? Hein? Quoi? Comment ça une machine? Comment ça une machine à thé? Comment ça une machine? Bah comme une machine à grimper, tu mets du thé. Ah non. Non. Non, pas ça. Bah moi ça me paraît logique. Oh non. Attends, il se passe quoi? On t'a embêté? Tu demandes à qui, Léonore? À toi. À moi? Oui. Bah ouais, ma sœur. Ay caramba. Ma sœur, en fait, elle a des potes à elle qui m'ont trouvé sur Tinder et qui lui ont montré mon profil en disant « Oh, en fait, c'est ta sœur, elle. » Loot, s'il te plaît, stop. Elle est pas croyante, oh bon sang. Non mais là je viens de lire ce que tu viens de marquer, donc oui. Je comprends mieux du coup, la machine à thé, c'est plus une machine qui aide à faire le thé. Et pas une machine qui te fait le thé à la con que tu peux acheter en supermarché. Je comprends. Donc ouais, donc c'est une machine qui t'aide à... Ah oui, donc c'est... finalement c'est cool, c'est pas mal. Quand tu sais pas faire le thé, effectivement... Oui, non, du tout, ouais, voilà, c'est parce que je... Ce que j'aurais dû acheter au début, moi. Bah ouais, en fait. Mais ça, quand tu te renseignes pas suffisamment et que tu ne sais pas comment fonctionne le truc, voilà. C'est ça. C'est ça de se renseigner. Donc, j'achète mon thé en vrac chez un spécialiste. Ah, bah voilà. Ah. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Ça, c'est professionnel. Et au de galérer avec mon thermomètre. Y a pas besoin de thermomètre. T'achètes une théière qui fait, justement, là, le degré que tu veux. La température que tu veux, ouais, c'est ça. Et ensuite, t'es tranquille. Évidemment, ça coûte un peu plus cher. Tout ce qui est qualitatif, c'est cher, mais au moins, t'es tranquille, tu es pas du bon. Une théière comme ça, c'est quoi? C'est 60 euros? Pour une théière de base? Ouais. Bon, bah maintenant que je sais qu'il y a des potes à ma soeur qui sont sur Tinder, On va dire que tu trouves, on va dire, partout. Oui, c'est à peu près entre 30 et 60 euros. Quoi. Là, pour une bonne théière qui fait bien le truc, tu peux compter 80-100 euros, facile. Vraiment, tu peux contrôler tout ce que tu veux, sur la température de l'eau. Quoi. La machine qui fait la température que je... Ouais, c'est ça. Donc c'est une théière, mais du coup, tu mets le thé dedans, du coup. La rivière à barre. Tout de suite. Machine. MDR, ce genre de personne. C'est... Ouais, t'as vu? C'est ouf, hein. Ah, c'est pas mal. Hop. C'est pas mal du coup la machine, Léonore.
Putain, mais du coup, je me dis que là, si un coup je match avec un gars et qu'il me dit qu'il est pote à ma sœur, je crois que le mec, j'instant coupe le machin, quoi. Ah, j'annule le match. Ah non, mais je te jure, là c'est fini en fait. Ah, bah t'as raison. Hein. Mais là, c'est fini en fait. Du jour où si je tombe sur un gars et que je discute et puis qu'il me dit, en fait, je connais ta sœur, c'est bon, le mec, j'annule le match direct en fait. Hein. C'est la merde. Ah, intéressante. La théière est transparente. Ah, intéressante, celle que j'ai sur le stream là. Intéressante. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Putain, n'importe quoi. Oui, c'est une théière où tu mets directement le thé dedans. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est une théière transparente. Dans ce cas-là, le thé se désagrège en fait quand c'est transparent. Le thé à la lumière se désagrège. C'est un peu dommage. Alors, il était légèrement teinté, ça aurait été mieux. Le modèle au-dessus éjecte même le thé quand le temps est passé. Ah ouais. Putain. Ouais, mais dans ce cas-là, t'as même plus à faire. Tu chier. Ouais, c'est ça, Léonore. C'est les UV. Enfin, Loud, c'est les UV. C'est automatique, mais pas les antibiotiques. Exactement. Mais ouais. Du coup, celle-là, je pense, est bien mieux parce que du coup, elle protège le thé à l'intérieur. Mais ouais, les UV détruisent le thé, enfin les saveurs du thé. Après, je le bois tellement vite. Après, oui, ça, après, chacun se fait ce qu'il veut. Moi, pareil, moi, il n'y a que la tasse qui est transparente. La théière, là, c'est tout en fonte ou en terre cuite, et du coup, bah, pas de soucis, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais en parler, c'est. Il y a deux types de thé. Un thé qui a un goût sucré et parfumé, et un goût qui est plus amer, comme celui-là, par exemple. Le kukisha. Et donc, pour les thés amers, un truc que je conseille, c'est les pâtes de fruits japonaises, qui sont géniales. Que vous pouvez trouver... comment que ça s'appelle le site de Tev? Candy-san, voilà. C'est ça. Candy-san, vous pouvez trouver ces pâtes de fruits japonaises qui sont incroyablement bonnes. Enfin, c'est des pâtes de fruits. C'est des pâtes de haricots rouges sucrées avec un goût fruit ou un goût thé vert. Enfin, voilà. Et qui sont utiles, justement, pour le thé. Palais des thés, je kiffe cette marque. Ah non, c'est la seule marque de thé que je prends. Hein. J'ai pas trouvé mieux. Il y a tellement de saveurs, enfin, de types de thé différents que, oui. Il y a que ce thé-là, cette marque de thé que je prends. Et je crois que j'ai testé tous les thés, sauf le matcha. J'ai pas tout testé. Le houlong, j'avais bien aimé. Le matcha, c'est le seul que j'ai pas testé. Parce que justement, le matcha, bah, faut un truc spécial, quoi. Faut les fouets, faut le doseur et tout, quoi. C'est un peu plus compliqué. Matcha, pas ouf. Ah, d'accord. Dans les vrais thés, et pas industriels, ça existe le thé caramel, oui, bien sûr. J'adore la phrase de ma sœur. Pas assez vert. Tu connais pas encore nos gens, tout se sait, même quand tu le veux pas. Putain. Oh bordel. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire tomber quelque chose. Alors comme j'ai dit, mais moi ce qui me surprend, c'est que t'es des potes qui soient tombés sur mon profil, alors que moi j'ai trouvé très peu de profils à proximité en fait. Ouais, il est vert clair quoi, le match. C'est juste que eux correspondent pas à tes... Peut-être. Oui, voilà. Correspondant. Au pire, tu t'en fiches de ce que disent les potes de ta sœur. Ben oui, c'est ça. Ça marche comme ça sur. Ben en fait, tu peux voir tes profils. C'est ça qui est lourd. Enfin, des gens peuvent voir ton profil parce que ça correspond à leur recherche. Et toi, tu peux très bien ne pas voir le leur parce que le leur ne correspond pas au tien. D'accord. Okay. Et justement, quand il y a des matchs, c'est parce que les deux personnes voient le profil de l'un l'autre parce qu'ils correspondent chacun à leur recherche. D'accord, ok. Ça me vient. Ok. Voilà. Ouais, non, mais je trouve ça ouf quand même, quoi. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Au pire, tu t'en fiches de ce que disent les potes de ta sœur. Bah, franchement, carrément. Le démon. Rouge n'est pas bugué. Oh. Le démon. Qu'il y a beaucoup plus de mecs sur Tinder que de filles. Ah, mais ça, c'est une certitude en fait. Hein. Oh, sans blague. Mais tu t'en fiches tellement, s'ils prennent le temps de se moquer, c'est qu'ils ont pas de vie. C'est pas mal ça, merci Léonore. Allez. Franchement, leur accorde même pas du temps, tu dis « Ah cool » et tu les ignores.
C'est ma meilleure arme. Bah écoute, tu sais quoi, je vais prendre ton conseil et je vais l'assimiler, je vais l'appliquer. Hop. Après, moi, pour le thé, ouais, c'est... c'est bien, on change de sujet rapidement en plus, hein, on passe de... Ouais. Le truc, c'est... il y a trois sujets, il y a le jeu Minecraft, il y a le... justement ton souci avec les autres gars, et puis moi je suis avec mon thé. Alors mon thé, en fait, moi c'est... tu vois... Non, à la base c'est pas avec les autres gars, c'est les soucis. Enfin oui, mais ma c'est... Soeur... c'est ma soeur qui m'apprend que... mais voilà. Tu n'en seras que plus heureuse. Ah mais de toute façon, je m'en fous déjà de ce que pensent les gens, donc clairement, voilà, c'est... Bonne gueule. C'est déjà un principe, c'est plus important. Mais c'est juste que... Ma sœur vient de me sortir comme ça d'un coup. À la base, juste, je lui envoie juste un petit message en mode ah, elle est trop chou, ma nièce, sur la story. Et là, elle me fait au fait, j'aimerais bien apprendre des trucs sur ta vie perso par moi-même. Ah non, mais loose, putain. L'amour est dans le thé, quoi. Au secours. Pas mal. Ouais, j'ai bien, mais enfin, au secours, quoi. Non, franchement, c'est mieux que les jeux de boules d'inu quand même. Hein. Ouais, alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, la mais d'inu aussi. Parce que d'inu, je ne comprends pas ces jeux de mots. Non, mais parce que d'inu, hier, il est parti. Mais il est parti très très loin avec le pain. Ah non, mais j'imagine bien. Oh là là. Tu n'es qu'une baguette. Oh non, 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 Nyx. Non. Parce que Nyx, il suivait dans sa connerie, en fait. Non, non, non. En fait, au début, pour déconner, tu vois, Brian, j'ai fait « ran, ran, baguette ». Et ensuite, bah, c'est parti dans le... Ah oui, d'accord, c'est parti de ça, juste. Ah. Voilà. Juste parce que j'ai fait « ran, ran, la baguette ». Ah ouais, non, mais c'est chaud, là, en fait. Donc, le matcha, ouais, c'est ça. C'est support pour louche. Ouais, tellement d'accessoires à avoir pour juste un truc de matcha, quoi. C'est abusé, quoi. Je voulais dire un truc, mais je sais plus parce que le démon, là, le démon est parti sur la table faire des conneries. Hein. Je te vois. Hein. Ouais, c'est ça. Cours, va te cacher. Vous l'avez rattrapé du coup, ou vous l'aviez laissé partir? Hein, mais je crois qu'ils l'ont laissé partir dans ses délires et puis voilà. Je crois qu'il allait jusqu'aux États-Unis, hein, comme ça, avec ses vannes. Hein. Sûr. Tu parles, il a gelé au blanc, lui. Oula, une vanne de merde. Justement, il est parti loin avec ses vannes. Ouais, oh, ses chaussures, vannes. Oh, putain. Faut pas que je me lance, là. Faut pas que je me lance. Non, 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 non. Non, non, allez, non. On se décale de challenge. Oh, ça ira, t'inquiète. Ça ira, non, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Guilo, il est parti tellement loin hier, Sordine. Mais oui, pour en revenir du coup au thé, oui, même sur les bons thés, les vrais thés, oui, il y a des thés parfumés qui sont excellents. Mais si, genre. C'est ça qu'on veut, qu'il ouais, dit. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Thé parfumé, est-ce qu'il n'y a pas de thé parfumé? Fruits agrumes, épices gourmands. Attends, oh, attends. C'est gourmand. On avait vu, caramel, caramel, caramel. On l'avait vu, tiens. On avait goûté un, voilà, celui-là. Celui-là qui est très très bon. Thé noir au caramel est excellent, celui-là. Avec un sablé ou gingembre. Ce qui est dommage, c'est que justement... Excuse-moi la musique, tu peux te calmer un peu, deux secondes? Merci beaucoup. Il y a un thé glacé de l'année dernière qu'ils ont ressorti cette année, trop bon. Moi, je suis pas fan des thés glacés, après. Pas top niveau de la compo, mais bon, quand même. D'accord. Ce qui est dommage, du coup, ouais, comme j'allais dire, c'est que l'été, avec des parfums spéciaux, ils n'ont pas d'informations, quoi. Là, t'as juste son accord parfait avec un sablé au gingembre. Et après, t'as juste les trucs de d'habitude, quoi. T'as pas le goût, en fait. C'est ça qui est dommage. T'as pas les parfums, comme bah, sur celui-là, par exemple. T'as pas les notes de dégustation, quoi. Voilà. Mais après, j'imagine que ouais, les thés parfumés comme ça, c'est pas un truc où tu dégustes, quoi, c'est juste un truc pour boire. Quoi. T'as pas à te faire chier la dégustation. Ah ouais, non, mais il est bon celui-là. Moi qui disais qu'il était pas si bon, pas si ouf que ça, le cookie jar, putain, il est vachement bon. Voilà, prenez cookie jar. Prenez celui-là.
Après, je peux vous conseiller pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas les accessoires. Un truc simple. Théière qui fait la température que vous voulez, vous pouvez régler. Ensuite, une théière simple en terre cuite, si on trouve. Ah, c'est que de la fonte ici, c'est dommage. Ou alors c'est en céramique. Non, pas céramique, c'est en porcelaine. Voilà. Porcelaine, un peu. Comme ça, le goût du thé ne se met pas sur la théière. C'est une théière en terre cuite, c'est pour un seul type de thé et vous allez garder sur tout le temps. Sinon, le thé va changer. Enfin, le goût du thé va changer à l'intérieur de la théière. Et c'est pas bon. Je suppose. Et c'est pas bon du tout. Bah, imagine boire un mélange de thé noir, thé sombre, qui est resté depuis quelques temps, où t'as infusé plusieurs fois, et mettre un thé vert simple dedans. Je peux te dire que le goût est pas fou. Ah bon, ça me dérange pas. Hein. Non, mais toi, c'est sûr, toi, c'est de l'eau chaude pour toi. Voilà. C'est de l'eau chaude avec un goût différent. Toi, ça te dérange pas, toi. Donc, voilà. Donc, quoi ouais. Putain, mais c'est pas possible. Mais elle fait que des conneries, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Non, mais. Putain, mais c'est pas possible. Et je détourne le regard deux secondes, c'est elle fait des conneries. Hein. Fait tomber des livres, c'est pas possible. Elle a failli péter mes théières et mes tasses de collection. Le flip quand j'entends du bruit là. Ce fameux énervement, j'adore. Non mais arrête hein, ça suffit hein. Putain. Alors là par contre j'entends un truc qui me plaît pas. Aïe, 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 les tasses. Les tasses. Au secours. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Oui, voilà, les théières. Théières en terre. Voilà, vous prenez ça. Parfait. En fonte, évitez. Parce qu'il y a un goût... le goût de la fonte va se foutre dans le thé, c'est pas fou. Une balance, voilà, une balance électronique pour ça. Ou une balance simple, aussi. Qui fait les milligrammes. Donc voilà. Tout simplement, vous n'avez pas besoin non plus de trop d'accessoires. Voilà. Bon alors du coup, Nyx, as-tu fait ton choix? Pas du tout. Ah. Non mais je pense que je vais partir sur le premier pour essayer. Alors le premier, c'est-à-dire Hongoyokuro. Ouais, Hongyoguro, ouais. Et avec puis le goût de saumon. Prendre en même temps le Kabusa Shincha. Ouais. Et puis déjà partir là-dessus. Fresh Blue. On commande à 100 balles déjà. Ouais, déjà. Après le Longjin. Longjin, après tu peux en prendre n'importe où. Enfin, tu peux en prendre moins cher hein, du Longjin. Oui. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il serait? On va chercher un Longjin, tout simplement. Bon allez, je vais faire une course, à plus tard. À plus tard, Lode. Plus. Longjin. Hop là, Longjin. Parfum allez, va à la gare, vite. Voilà. Liqueur, attaque végétale, puis et fruité exotique, quelques notes pyrogénées, châtaigne rôtie, et très minérale, belle longueur en bouche, sont des notes végétales anisées, évoquant l'artichaut. Très belle harmonie entre les parfums, la texture et les saveurs. Longjin, j'ai goûté une seule fois. J'ai pas tant aimé que ça, mais le goût était bon. Falloir que j'aille retourner travailler moi aussi. Je vous fais des bisous. Très content d'avoir découvert ton stream, en tout cas. Merci beaucoup. Et encore merci pour le raid. Hop. Hop. Je reviendrai, bah super. Merci. Bah, il est pas là. Ah, il est disparu. Il est mort. Bah, bon courage à toi, en tout cas. Pour le taf. Et puis à la prochaine. Hein. Et je crois qu'on va bientôt arrêter le stream parce que, ouais. Pas de quoi, ça fait plaisir. Merci. Parce merci, merci. Parce que le Japon. J'ai loupé quoi? Qu'on a parlé vite fait de thé. Voilà. Du Longjin. Voilà, Longjin. Voilà, bravo, t'as raté du thé. Raté le thé. Oh là! Oh là, j'ai raté du thé. Oh là là! Ouais. Non, mais oh là.
Ah, Lode qui est parti. Il est parti faire une course à plus tard. À plus tard à toi, Lode. Voyons donc, j'ai... Si t'es déjà plus là, bah voilà, c'est pas grave. Léanor, va falloir que j'aille retourner travailler moi aussi. Je vous fais des bisous. Et bah, bisous à toi. Et du coup, elle est très contente d'avoir découvert ton ouais, stream. J'ai vu ça, j'ai vu et ça. Bah, moi, je suis très contente du coup de te l'avoir recommandé. Je suis très contente qu'elle soit très contente d'avoir découvert le stream. Je reviendrai, pas de quoi, ça fait plaisir. Bah écoute, moi je suis content que tu sois contente. Qu'elle soit contente d'avoir découvert mon stream. Mais moi je suis juste trop contente parce que du coup je suis arrivée, j'ai fait « Hey Brian, grosse hey, surprise !» Il y a une grosse surprise qui arrive. Oh là là. Alors après, pour ceux qui sont complètement néophytes, complets du thé, il y a deux thés à tester en premier. Deux thés. Qui sont ? Trois thés même, plutôt. Pour vraiment découvrir le thé. Alors, les thés. En thé vert, il y a le thé vert, si je ne me trompe pas. C'est comment il s'appelle ? Je vais le chercher. Je vais le chercher. Hop, heureux. Alors, 3 thé. Déjà, pour commencer, un rooibos, donc sans théine, que vous pouvez boire n'importe quand. Le rooibos Khoisan. Est-ce que je peux pas mettre sur l'autre caméra, tiens, d'ailleurs. Hop. Mais si, bien sûr. Et c'est à l'endroit. Yes. Un rooibos frais et léger, rond en bouche et légèrement sucré, idéal en dégustation du soir. Très simple à faire. Voilà, 90 degrés, donc vous avez juste à faire thé à normal, ça suffit. Vous arrêtez juste avant que ça boue. Parce que ouais, l'eau, faut pas que ça boue, hein, sinon c'est plus bon. Vous devez changer l'eau. Et 5 minutes, pile. Assez simple. Il est très 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 bon. Hop. Bien sûr, 20. Hein bah, là, pour ces 3-là, je vais vous montrer. Ça part sur du 9. Sur 10. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est les trucs, c'est les meilleurs trucs quoi. Donc rooibos, donc un thé rouge. Ensuite, il y a le puer impérial, évidemment. Un thé sombre. Donc si je me trompe pas, un thé sombre qui a été normalement cuit et fermenté. Si je me trompe pas. Ou alors je me trompe complètement et c'est pas ça du tout. Mais normalement un thé noir c'est fermenté. Et un thé sombre, je sais plus. J'ai oublié. Voilà. Puer impérial. Qui rend très 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 bon. Il a une odeur, première fois que je l'ai senti, une odeur assez fermière, on va dire. Ça sent la ferme, hein, la bouse de vache, la paille, tout ça. Et c'est excellent. Donc pour découvrir vraiment le thé sombre, le thé noir comme ça, celui-là. Et enfin, bon là j'ai qu'une... Je n'ai qu'une boîte comme ça, c'est le Jen Maisha. Donc c'est un thé vert. Avec du riz soufflé dedans, qui est incroyablement bon. Ah, il y a du riz soufflé dedans. Ouais, riz soufflé dedans, ouais. C'est super bon. Donc voilà. Donc rooibos, puis impérial. Et après, il y en a un aussi, bon, ça c'est un autre, qui serait plus en... Voilà, c'était noir parfumé. Montagne bleue. Voilà. Montagne bleue, que c'est poétique. Ouais. Un délicieux bouclé qui enchante avec ses notes fruitées et gourmandes, à de lavande, de miel, de bleuet, de fraises et du rhubarbe. Du rhubarbe. Aussi très simple, hein, 95 degrés, en 4-5 minutes. Très 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 simple à faire. Et excellent. Voilà. Et qui peut être fait aussi glacé. Mais voilà. Et en général, si vous goûtez pour la première fois thé sombre ou du thé noir, vous aurez un goût assez... assez fort de ferme, on va dire. Parce que justement, c'est un thé qui est fermenté. Donc voilà. Les thés que je recommande énormément parce qu'ils sont excellents. Y a pas... Je pense qu'il n'y a pas au-dessus pour l'instant. Mmh.
Il y a également le thé des moines. Je peux vous conseiller qui est très bon aussi. Inspiré d'une recette ancestrale élaborée dans un monastère tibétain, voici un mélange de thé noir et de thé vert à la saveur florale unique. Il est assez, assez gourmand, je peux dire. Très très parfumé. Il s'accorde parfaitement avec du chocolat au lait, donnant ainsi des notes d'agrumes confits, très gourmand. Il est aussi délicieux dans une brioche, avec une brioche perdue. C'est vraiment très très bon. Mélange floral aux accents gourmands et embarqué avec un voyage sensoriel unique. Est-ce qu'il y a des parfums ? Non, il n'y a pas de parfum. C'est dommage, ça. C'est dommage. Mais après, il y a plein de différents thés avec justement des notes très différentes qui sont tous aussi bons. Quoi. Mmh. Par exemple, un thé noir du Kenya qui est très très bon aussi. Avec des notes intenses, boisées, mielées, épicées. Et là, il se rapproche plus d'un café, on va dire, celui-là. C'est justement, ça reste en bouche, c'est comme un café en fait que tu bois, mais avec un goût de thé. C'est excellent. Oui. Hop, c'est celui-ci. Hop, le Kenya Kirinyaga. Qui est très 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 bon. Il est plus là, oui, ou... Je sais pas. Si, il est toujours là, mais il s'est mute. Bah, donc il est plus là. Ah d'accord, donc il doit être occupé. Ouais, bon voilà. Alors, par contre, j'ai deux trains... Et heureux. Ah, justement, je pars l'âme de toi. Ah. Les pâtes de fruits. Enfin, les pâtes de haricots rouges. Qui se coupent en tranches, en fait. Les pâtes de fruits. Les pâtes de fruits. Tiens, viens voir, Ray. Voilà. Dans la loco. Introuvable. Venez de côté de mon côté, moi. Sur Candyson. Bah, je viendrai te récupérer tout à l'heure, alors. Hop. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, allez. À tout à l'heure. Hein. À tout. À tout. Pas pour toi, Brian. Ah, bah, je sais pas. Tu dis à tout. Moi, je sais pas. Tu me dis pas, moi. Je peux pas deviner. En fait, on est en train de partir, c'est tout. Ah, d'accord. D'accord. Hop, ça peut couper. C'est tellement stylé, bordel. Bugué, mais stylé, ouais. Comment ça, bugué? Ah si, c'est bugué. C'est cassé. Bah, quand tu rentres dans la locomotive, qu'ensuite tu vas dans le wagon des derrière, que tu veux remonter dans la locomotive, moi ça m'a foutu sous les rails. Ouais, faut que tu sortes et que tu rentres. C'est cassé. Là, oui, c'est un bug. C'est tout cassé. Voilà, donc c'est bugué. J'ai raison. Point. Voilà. Je reviens. Je vais faire l'outro du live. Ok. À tout de suite. Hop. Hop. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Je pense que le prochain live, ce sera plutôt samedi, donc sur Peinture sur Figurine. Je sais même plus quel jour on est, tiens, d'ailleurs. C'est jeudi. Nous sommes jeudi, donc c'est ça. Donc demain, soit c'est repos pour moi. Soit on se fait un live. Qu'est-ce qu'on avait prévu demain ? Qu'est-ce que j'avais prévu ? Je sais même plus ce que j'avais prévu. Donc on a Skyrim. On a The Witcher, mais je pense que The Witcher, on reprendra plutôt la prochaine. Elle fait semblant de bosser. Comment ça, elle fait semblant de bosser ? Comment ça, semblant de bosser? Ah, puis on a Outer Wild aussi à faire, mais Outer Wild, je suis plus chaud pour le faire, tiens, d'ailleurs. Il est très intéressant comme jeu, mais... Oui, je rentre de course. Bah oui, tu arrives pour la fin, malheureusement. Non, bah voilà. Je pense que je vous tiens au courant sur Twitter demain matin pour savoir ce qu'on va faire. Je serais bien tenté pour du Sea of Thieves pour découvrir les nouvelles quêtes. Mais il faudrait qu'il y ait des gens. Vers ton snap. Fonce! Fonce, Seiji, fonce! Voilà. Et au pire, on fera The Witcher, mais je vous tiens au courant comme d'habitude sur Twitter. Le lien juste en dessous. Voilà.
Donc n'hésitez pas à partager la chaîne si ça vous a plu. Merci pour les follow, merci pour les raids, merci d'être venu juste regarder ou discuter. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que le stream est toujours là. Hein. Quoi d'autre ? Oui, je vous mets le lien directement du Discord. Je vous préviens par contre, si vous venez sur le Discord évidemment, c'est pour être actif, c'est pas pour venir « Hey, coucou, c'est moi » et puis ne plus ne venir du tout. Ça n'a aucun intérêt dans ce cas-là. Donc je vous mets le lien, hop, du Discord. Celui-ci, voilà. Hop. Tac, tac. Est-ce que j'ai pas un truc... Tant pis. Voilà. Bah merci d'être là en fait, parce que si vous n'étiez pas là, je serais pas là non plus. Voilà. En tout cas, merci pour tout, merci pour d'être là, tout ça, tout ça. Encore une fois, merci pour tout. Toujours un kiff de faire des streams, de toute façon. Ça doit se voir, je pense. Ça doit se voir que le kiff, quand même. L'envie de faire des streams. D'ailleurs, je vous ai montré, je sais plus. La fatigue, ça, je sais plus si je vous ai montré. Oui, je vous ai montré en début de stream, oui. Les figurines que j'avais fait. Oui, oui. Voilà. Donc oui, samedi, le monstre là, le monsieur qui est là avec des ailes, il sera réparé, j'espère. J'espère qu'il sera réparé. Et qu'on va peindre du coup tout en entier. On va refaire, plutôt. Donc voilà. Sinon, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je ne vous envoie chez personne puisqu'il n'y a personne en stream. Mais je sens que si le stream, c'est me aime ça. Oui, voilà. C'est ça. Donc voilà, il y a des possibilités aussi que je fasse des streams MMO, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce qu'en général, les MMO, c'est genre je suis comme ça, genre vraiment, c'est le cliché, hein. Je suis comme ça, puis je suis genre... Ah merde, je suis mort. Je suis vraiment comme ça. Et bon après-midi tout le monde. Des bisous, et puis du coup, voilà, on se revoit normalement demain ou samedi pour le live peinture. Demain, je ne sais pas encore. Donc voilà, juste en dessous, il y a Twitter. Allez voir, allez follow, ça me fera plaisir. Des bisous, à plus tout le monde et merci pour tout. Allez, ciao ciao tout le monde, bonne fin d'après-midi à vous.